Merci d'être là pour écouter, découvrir l'œuvre de Benjamin Shaw, donc il y a beaucoup de choses à nous raconter. Donc l'idée pour les personnes qui ne sont jamais venues aux rencontres avec les auteurs des années précédentes, le format est assez simple et assez participatif, enfin c'est ce qu'on souhaite. Et bon, en général, vous avez des parcours assez diversifiés, des gens qui ne sont pas du tout sur l'ESPE, d'autres qui s'intéressent à la littérature pour la jeunesse, plutôt du côté d'un point de vue de l'art, de l'image, d'autres parce qu'ils vont en faire pour ce qu'ils vont en faire dans les classes, d'autres pour le plaisir du livre, de la littérature, de l'objet. Du bel objet qu'est le livre, encore le livre papier. On a la chance dans nos bibliothèques destinées à l'enseignement, à l'école élémentaire, on a la chance de manipuler beaucoup de livres sur support papier. Et c'est toujours un vrai plaisir. Voilà, bon, je m'éloigne un peu du sujet. Alors on a essayé de diviser un peu. Benjamin, que je laisserai parler dans quelques secondes, a préparé un magnifique PowerPoint que je n'ai pas vu, mais je sais a priori qu'il est magnifique, pour expliquer son parcours et puis aller un peu plus loin dans l'analyse, dans la lecture de l'image, ce qui est quelque chose quand même qu'on ne fait pas très souvent. Et ça, c'est et puis c'est indissociable du livre total. Donc c'est quand même ça va être très intéressant. Parce que si vous voulez, on peut y aller. Voilà. Et alors, puis, bonjour. N'hésitez pas à intervenir, à poser des questions dès que vous ressentez la nécessité. Voilà. C'est bon. Alors bonjour, je suis Benjamin Shaw et je suis illustrateur, auteur-illustrateur. Et moi je suis invité là pour parler de mon métier, je pense. J'ai pas trop l'habitude de parler devant des assemblées d'adultes. Des fois je fais des animations dans les classes où je parle à des enfants. Et du coup j'ai préparé une série d'images de mes livres. Pour m'appuyer dessus, parce que je n'arriverai pas à parler deux heures tout seul dans le vide comme ça. Et moi je vais commencer. Si tout le monde est prêt. Si. Alors, ça c'était mon atelier quand j'étais à Paris. Moi, je peux faire des dates aussi. J'ai 44 ans, ça fait 20 ans maintenant que je suis auteur-illustrateur. J'ai fait mes études 3 ans aux arts appliqués de Paris. Dans les années 90, et 3 ans aux arts décoratifs de Strasbourg. Ensuite, donc j'ai 6 ans d'études pour faire mes petits livres. Et après, j'ai vécu 10 ans à Marseille et 5 à Paris. Et maintenant, je suis dans la Drôme, à côté de Valence. Et ça, c'est l'atelier que j'avais quand j'habitais à Paris, avec d'autres illustrateurs. Moi, j'étais à gauche. Il y avait Magali Lehuche, je ne sais pas si vous connaissez son travail, et Roland Garrigue, qui étaient aussi des anciens des Arts Déco de Strasbourg. Et c'est quand même bien de travailler dans un atelier. Comme moi, j'ai besoin d'une émulsion. C'est un métier assez solitaire. On peut travailler n'importe où avec une chaise ou une table. Mais avoir des gens qui bossent autour de nous, qui sont déjà là quand on arrive le matin, qui restent après quand on part le soir, ça donne un peu de courage. Pour continuer à travailler quand on se dit là, je vais peut-être aller faire un tour sur Facebook et voir Magali qui est toujours en train de dessiner, ben ça aide un peu. Puis c'est bien d'avoir des gens à qui on peut parler de nos problèmes de dessin, de nos problèmes de compta, parler d'éditeur, parce qu'on est un peu tout seul quand même dans ce métier, donc pour savoir si l'éditeur paye bien, si c'est normal d'avoir que 2%, c'est bien d'avoir un autre qui dit écris-moi un mail et demande 4 comme tout le monde. Ça peut aider. Donc, d'avoir un lieu de vie et un lieu de travail, c'est pas mal aussi. Comme moi, les premières années, je travaillais chez moi.
Et du coup, on n'arrête jamais de travailler. En fait, au moment d'aller se coucher, on passe devant sa table, on a un truc sur le dessin qui ne va pas, on dit bah, tiens, je vais le changer, et puis on continue de travailler la nuit. Et le lendemain matin, à la lumière du jour, on se rend compte qu'on a fait que saloper le dessin. Donc c'est bien d'avoir un temps où on travaille bien, et puis temps où on travaille plus, et on travaille plus bien. Et donc j'ai maintenant un atelier aussi dans la Drôme, que j'ai la chance de partager avec un autre illustrateur qui était lui aussi aux Arts Décoratifs de Strasbourg, qui est Gaëtan Doremus. Et ça, c'est quand même assez incroyable de se retrouver. On a fait nos études ensemble et 20 ans plus tard, on se retrouve dans un village de la Drôme, comme ça, et c'est assez chouette. Et là, c'est là que je travaille le plus, en fait, c'est au café. Par romantisme et par discipline de travail. Moi, tous les jours, je vais 2 heures au café. C'est comme ça que je commence ma journée. J'ai un carnet de croquis et je dessine pour avoir des idées, de l'inspiration. Et j'ai l'impression que, comme je suis au café, que je ne paye pas de loyer au café, les idées que j'ai sont vachement plus libres parce qu'elles n'ont pas à être rentables. Et je vous dessine les gens qui passent, les films que j'ai vus la veille, des trucs, n'importe quoi, et mon travail, et tout se mélange. Et c'est comme ça que je fais pour avoir des idées que j'aurais peut-être pas eues à mon atelier. Parce qu'à mon atelier, j'aurais des idées qui fonctionnent, qui sont carrées, qui marchent, et que les éditeurs accepteraient sûrement, mais qui sont pas surprenantes pour moi, en fait. Et j'ai besoin de me surprendre pour avoir l'impression de faire un métier un peu créatif, et pas juste de répondre à une demande. Et je m'en suis convaincu, donc je ne peux plus faire des crayonnés à mon atelier. Si je dois faire un crayonné de couverture dans l'après-midi, ben, il faut que je sorte, que j'aille au café, que je fasse mon crayonné, que je revienne pour le scanner et l'envoyer. Et ça, c'est des croquis que je fais aussi tous les matins, d'observation au crayon de couleur. Ça, c'est sans réfléchir. Je regarde et je dessine, c'était un peu une sorte de méditation. Un peu comme un footing avant de commencer la journée. Et c'est quelque chose que j'ai arrêté depuis que j'ai 2 enfants, donc ça fait 8 ans maintenant que je fais plus de choses comme ça parce que j'ai plus le temps. Il fallait. Voilà quoi, c'était un moment de ma vie. Voilà, ça c'est le dernier croquis, 19-8-2010. Et du coup, avec cette technique de crayon de couleur, des fois je fais des affiches ou des images qui ne sont pas forcément narratives, parce que pour moi, le crayon de couleur, c'est compliqué. Et donc, j'arrive à dessiner sur un seul plan. Je n'arrive pas à faire un décor derrière. Et du coup, je fais des affiches ou des puzzles. Et c'est assez récréatif de faire des images qui n'ont pas besoin de raconter une histoire. Là, c'est juste des formes jolies, avec des couleurs, et c'est mignon. Et j'ai pas besoin de réfléchir pour faire ça, mais je suis payé quand même. Et ça me permet d'expérimenter des nouvelles choses, parce que c'est une seule image. Donc on peut essayer un truc, et même si c'est compliqué, même si on n'aime pas ça, on n'est pas obligé de... Parce qu'un livre, il y a une vingtaine de pages chaque fois, donc si on essaye un truc, il faudra le faire 20 fois de suite après, toujours pareil. Et les images comme ça, c'est assez récréatif, en fait, et ça permet de se renouveler. Mais ça fait mal au bras, le crayon de couleur. Moi, j'appuie trop fort. Ça, c'est mon carnet de croquis de travail, par contre. Donc les oiseaux, c'était sûrement pour le puzzle ou des trucs comme ça, mais il y a aussi des pages de livres, et il y a aussi des choses que je vois dans la... Quoi, des choses, des gens que je vois passer dans la rue, et tout et n'importe quoi, des idées, et moi je ne peux pas avoir une idée si je ne la dessine pas. C'est-à-dire que quand je commence à avoir un sujet, quelque chose à illustrer, c'est tout blanc dans ma tête, ou alors j'ai les pires dessins, les pires images, et c'est en dessinant que je vois ce que je peux faire. Et en choisissant, après je dessine plusieurs fois des dessins différents pour la même idée, et c'est après je vois tous les dessins et je choisis ce que j'aime le plus, ou que je déteste le moins. Mais si je dessine pas, j'ai pas d'idée. Donc c'était rue de Paris, des gens qui étaient au café, et des pages de livres encore. Et j'essaye de m'amuser.
m'amuser et de me faire rire bêtement tout seul. Parce que ça, c'est le truc que j'ai trouvé pour avoir l'impression que c'est intéressant. Ouais, ça marche, quoi. En tout cas, ça fait 20 ans que je fais ce métier, j'ai pas encore. Je continue, donc c'est que ça va marcher. Mais j'ai besoin, parce que c'est un peu pénible quand même, mine de rien, de dessiner pendant toute une journée des feuilles d'arbres, ou des marches d'escalier, ou des tables avec des enfants. Et je ne le ferai pas juste pour l'argent, en fait. Et j'ai besoin d'avoir un plaisir supplémentaire. Et le rire et partager une blague, par exemple, ça peut être une motivation suffisante. Ou des fois avoir l'impression de faire un truc génial et de révolutionner le monde de l'illustration, mais c'est moins souvent. Alors, il y a quelques années, on a accueilli Gilles Bachelet, qui apparemment est un peu camarade de blague. Sur Facebook, ouais. Mais non, mais c'est important de... Moi, je pense que dès que j'arrive à rire bêtement, c'est que c'est bien, quoi. J'ai un truc où je me fais un peu un truc de honte, de « Ah, j'oserais jamais éditer ça, ah, et si !» Et ça fait les enfants aiment bien rire aussi, je pense. Donc, tout le monde est friand de ça. Et au moins, il y a ça, quelque part. Et comme je suis illustrateur mais aussi auteur, j'écris dans le large. Mais ça m'est moins facile. Moi, j'ai fait des études de dessin. Il n'y a pas vraiment de formation pour être écrivain. Je crois qu'il y a deux écoles en France. Je ne suis même pas sûr. C'est Ramona Badescu, une amie auteur, qui m'a dit ça. Moi, je ne me tiens pas assez au courant. Mais on a fait les arts déco, quoi. Ouais, mes camarades de classe. On a fait les arts décoratifs de Strasbourg. Et on avait des cours de dessin, il y en avait aussi des cours de narration. C'est ça qui raconte, comment on passe d'une image à l'autre, qu'est-ce qu'on raconte. Mais on n'avait par contre pas de cours de français, de cours littéraires. Nous, on avait une prof d'histoire qui nous faisait des cours en anglais. C'était prof d'anglais. Mais on n'a pas trop appris à écrire. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident et que j'ai mis du temps à avoir le courage d'assumer. C'est en force de travailler, d'avoir plein d'histoires d'autres auteurs à illustrer, et à me dire, mais enfin, c'est pas terrible ce qu'il a écrit, moi j'y arriverai aussi bien, voire mieux, que j'ai... Parce que, enfin, d'après ce que j'ai lu sur votre parcours, vous étiez avant tout un illustrateur, enfin un dessinateur même, et donc finalement c'était pas le passage obligé pour vous d'écrire aussi. Non, moi j'ai fait mes deux premiers livres, j'ai écrit l'histoire et fait les dessins parce que j'étais encore aux arts décoratifs, c'est mes projets de diplôme, et personne n'écrivait pour moi à l'époque, donc il fallait bien que je le fasse, et puis je ne savais pas comment ça marchait. Mais j'ai fait ces deux livres-là, et après, comme c'était édité, il y a des éditeurs qui ont fait appel à moi, et ils m'ont proposé des textes, et c'était vachement plus simple, plus facile, parce que les textes étaient déjà là, j'avais plus qu'à faire les dessins. Donc par confort, un peu par paresse, j'ai accepté les histoires des autres, même si j'étais rarement content. Mais après, je me suis dit que c'était... Il y avait sûrement une raison pour laquelle j'avais toujours l'impression que les autres avaient les bonnes histoires, et moi, j'avais toujours les histoires pourries. Et je pense que c'est parce que quand on a l'histoire et pas le dessin, ça marche pas. Il faut les deux pour que le livre soit bien, donc c'est normal de pas aimer juste l'histoire, et que Marc Boutavant, en fait, s'il a des super histoires, c'est parce qu'il arrive à faire des super dessins à côté et que ça fait que le livre est bien. Alors, je sais pas justement, enfin peut-être qu'on pourra en parler après, mais vous me dites ainsi, peut-être qu'on en parle après, mais justement la collaboration avec les auteurs qui sont pas forcément, peut-être ou pas dans votre registre d'humour, comment ça se passe la collaboration avec un auteur tout simplement? Il y a plein de cas de figure, en fait. Le plus confortable, c'est quand on est auteur-illustrateur, comme ça on n'est pas du tout en conflit avec l'auteur. Après, ce qui se passe le plus souvent, c'est que les auteurs écrivent l'histoire et l'envoient à l'éditeur. Et sans vraiment penser à un illustrateur qui pourrait illustrer les textes. Et c'est l'éditeur qui va lire l'histoire, décider s'il l'édite ou pas, et une fois qu'il a décidé de l'éditer, il va réfléchir à un illustrateur. Et si c'est rigolo, ben, il va faire appel à un illustrateur rigolo. S'il y a des animaux, il va faire appel à un illustrateur qui dessine les animaux. Si c'est poétique, il va faire un appel. Ils tentent peu de choses, les éditeurs, ils prennent des trucs qu'ils ont déjà vus ailleurs et ils disent, oh, tiens, lui, il fait bien les ciels nuageux, hop. Et on n'est pas du tout obligé de parler à l'auteur quand ça se passe comme ça.
Et même, des fois, il y a des éditeurs qui veulent pas qu'on parle avec les auteurs comme ça, c'est eux qui font le... Ouais. Voilà, la dernière fois, j'ai un texte que je suis en train de faire, je l'ai envoyé à l'auteur et l'éditeur en même temps, et tout de suite, l'éditeur m'a répondu pour dire merci, mais n'envoie pas à l'auteur. Il a dit qu'il ne peut y avoir qu'un seul cuisinier en cuisine, donc après, s'il y a trop de demandes, si ça tire un peu dans tous les sens, on s'en sort pas. Donc ils ont envie de... Ils n'ont pas envie d'être juste... les sous qui vont faire que le livre se fait, ils veulent avoir un rôle artistique aussi, dans le choix de qui écrit et qui illustre, et aussi de qu'est-ce qu'on fait, et ils n'ont pas envie qu'on se mette tous les deux contre eux, peut-être. C'est plus simple. Et moi, souvent, des fois, ça me va, parce que j'ai pas non plus le temps ni envie d'échanger ça avec les auteurs. Et il y a le cas de figure aussi, donc troisième cas de figure, où on travaille avec un ami, ou un auteur en qui on a confiance. Moi j'ai ça pour les pomelos, c'est Ramona Badescu, c'est une amie avant d'être une auteure, on a voulu travailler ensemble parce qu'on s'appréciait. Et ça fait des livres qui sont vachement plus satisfaisants, bien sûr. Ça prend plus de temps par contre. Donc moi j'aime bien avoir les trois des livres que j'écris tout seul et que j'illustre, des livres dont je reçois le texte et puis j'ai juste à faire les dessins, ça va vite. Et un livre où j'écris et je conçois les dessins avec l'auteur, mais là il faut être assis à table tout le temps ensemble et se supporter, négocier. Moi j'aime bien de toute façon c'est beaucoup de boulot chaque fois et une fois que j'ai fini je suis content de faire autre chose. Donc je suis content de faire des livres que j'écris, mais j'en ai marre après, donc je suis content de faire des livres qui parlent d'autres, après j'en ai marre, mais pouvoir changer comme ça me fait des vacances. Et là c'est les pomelos justement, c'est les chemins de fer. Quand on travaille avec Ramona, on est tous les deux à côté. Un chemin de fer, c'est ça, c'est quand il y a toutes les pages du livre sur une seule page, on peut voir l'intégralité du livre et on sait, pour les cadrages, les plans, comment on passe d'une page à l'autre, et c'est le moment de l'écriture où on peut dire bah, cette page, elle est bien, mais peut-être que deux pages plus tard, elle serait mieux, et puis la fin, on va plutôt faire ça, et puis hop, vous voyez, des pages qui sont barrées, il y a des flèches, on bouge. Et puis ça permet de compter les pages aussi et de ne pas arriver avec un livre qui a trop ou pas assez de pages, parce que toujours un multiple de 8, les pages vu que c'est plié en 4. Et on n'est pas forcément tous super forts en maths. Et c'est bien d'avoir le nombre de pages, parce qu'après on a une page trop courte ou deux pages trop longues. Et c'est ça aussi, hein, l'économie du livre. Et là, qu'est-ce que j'ai filmé? Qu'est-ce qui nous a tapé dessus? Là, je recule ou non? Je sais pas. Bon, des crayonnés, toujours. Ça, c'est pour Petit Ours. C'est un livre avec des trous, donc tout ce qui est fluo, c'est troué dans la page. Et ça, c'est mieux dessiné, mais c'est la même chose. Mais c'est ouais, quand je commence à faire des livres, j'essaye plein de pages. Je sais pas encore ce que je vais mettre, et après, je prends toutes les pages que je préfère, j'essaye de voir dans quel ordre elles peuvent aller. Et qu'est-ce que ça raconte? Parce que c'est ça qui est important finalement, c'est de savoir de quoi on parle. Ça a l'air évident comme ça, mais en fait ça ne l'est pas. En tout cas pas pour moi. Mais moi je conçois mes pages un peu comme ça, je mets plein d'idées dans mes cahiers de brouillon, et après j'essaye de tout faire rentrer comme dans un puzzle. Et dans chaque page, et dans tout le livre. Et ça, c'est donc un dessin définitif d'un livre qu'on avait fait avec Ramona, il y a bien longtemps de ça, sur l'amour. Et le point de départ, c'était que l'amour était petit, gris et carré. Et c'est ce petit personnage dans la pomme au milieu d'image. Et j'avais entièrement fait des images à l'ordinateur, sans faire de crayonné. Et en travaillant sur Photoshop, ça ne m'a pas plu en fait, et j'ai arrêté complètement de faire ça après. Mais c'était intéressant parce que c'était comme c'était un livre sur l'amour, on a beaucoup travaillé sur le lien. Et donc c'est un livre qui est toujours traversé par un fil rouge. Vous voyez, il y a un peu de fil un peu partout. Et c'est le fil qui relie, qui dénoue, qui s'en verlificote. Et c'était assez rigolo de trouver des solutions graphiques en fait. Parce que Ramona, elle a écrit un texte qui était quand même plus comme un poème que comme une histoire. Et moi, je pouvais faire des images qui avaient plus ou moins de rapport avec ce qu'elle écrivait. Et
Et donc de faire des jeux de, avec cette ficelle rouge, c'était assez amusant de voir graphiquement, d'explorer l'amour. Bah oui, la ficelle rouge. Il y a souvent des ficelles hein, dans le. Enfin, bah, je recycle. Voilà. Ah, bah ouais, c'est difficile d'avoir plein d'idées. Non, c'est pas du tout. Donc là, il y a la petite ficelle du sac poubelle. Là, il y a les lacets. Ouais, on a essayé d'explorer la ficelle à fond. Voilà, et c'est réédité en fait, parce que c'est Naïve qui avait sorti le livre, et Naïve, il faisait plutôt des disques, et ils refont plutôt des disques. Donc, ils avaient plus. Quoi, il y avait plein de livres qui étaient bloqués. Ils avaient édité, puis ils avaient arrêté de les sortir. Et là, c'est Cambourakis qui l'a repris. Donc, ça permet d'avoir une deuxième vie pour le livre, c'est chouette. Vous travaillez avec combien d'éditeurs ? Je sais pas. Je sais pas combien j'ai fait de livres, et je sais pas combien d'éditeurs avec. Mais il n'y a pas de. Quoi, il y a. Bah ouais, ça fait 20 ans. Après, moi, il faut bien vivre. Moi, j'ai un train de vie. Je travaille principalement quand même avec Albin Michel. Et c'est avec eux que j'ai fait Pomelo, il y a 20 ans, presque, 16, un truc comme ça, en 2002. Et l'éditrice d'Albin Michel a changé, parce qu'en fait, c'est pas que nous, les illustrateurs, qui changeons les éditeurs aussi, ils bougent, tac-tac-tac, il y a une place qui se libère là-bas, donc ça fait chaise musicale, hein, ils partent tous, tac-tac-tac-tac. Et elle était partie chez Naïve, cette éditrice, donc on l'a suivi avec Ramona, et c'est là qu'on a fait ce livre-là. Et après, elle a monté sa propre maison d'édition qui s'appelle Helium. Donc ça fait 3 éditeurs, mais c'est la même personne avec qui je travaille. Et après, Pomelo est resté chez Albin Michel, donc on continue à faire des Pomelo chez Albin Michel, mais avec une personne différente. Et moi, tous mes projets, les trucs qui me tiennent le plus à cœur, c'est avec cet éditeur et éditrice-là que je fais chez Helium. Quand j'ai une histoire, c'est vers elle que je vais aller en premier. Après, quand j'ai des commandes, il n'y a pas vraiment de clause d'exclusivité. Et les éditeurs ne peuvent pas garantir nous payer assez pour qu'on vive rien qu'avec eux. Donc, on a le droit d'aller travailler ailleurs. Et moi, je travaille avec d'autres éditeurs, mais c'est des commandes à ce moment-là. Et ça, personne ne va m'empêcher de le faire. Après, il faut que j'essaye de ne pas faire exactement le même livre chez des éditeurs, mais ils ne sont pas contents. Et c'est plus dur de bouger en couple avec l'auteur, par exemple. Moi, avec Ramona, on est chez Michel pour Pomelo. Et c'est plus lourd de partir les deux chez un autre éditeur. Et ça, c'était un livre que j'ai fait chez Gauthier Langros, j'en ai fait qu'un parce que ça n'a pas marché. Ils sont plus. Gauthier Langros, c'est plus l'éditeur de Rebecca d'Outremer et de. C'est plus des princesses, quoi. Moi, je ne suis pas trop là-dedans. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait appel à moi. Mais voilà, on a fait un livre et puis ça, c'est pas. Il n'y a pas eu tellement de succès que ça. Donc moi, j'espérais avoir les mêmes ventes que Rebecca d'Outremer. C'est tout nu. C'est avec Daimark, le Dan, qui est le compagnon de Rebecca d'Outremer. Moi, je me suis dit, on va avoir des super ventes, et pas du tout. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va tout nu à l'école, parce que son papa a oublié de l'habiller. Et c'est traité un peu comme un rêve. Mais c'est le problème de la nudité des enfants dans les livres pour enfants. Ça fait que les représentants n'osent pas le représenter, les libraires n'osent pas le vendre, et les parents n'osent pas l'acheter. Donc ça fait beaucoup de problèmes pour que le livre soit vendu. Et là, c'était juste pour montrer que je refais 5, 6, 7 fois le même cadrage en bougeant juste un arbre à l'arrière-plan pour avoir la meilleure sensation graphique. Et après, quand j'ai fait toutes les possibilités de ton arbre dans la page, je peux décider en regardant et en étant presque extérieur à mon travail, en essayant d'avoir un regard neuf, de dire mais qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc là, c'est le dernier en bas qui marche. Et là, c'est une étape différente. C'est quand je refais les crayonnés proprement pour les montrer à l'éditeur. Parce que l'éditeur, il a toujours un temps de validation des crayonnés. Donc je redessine mes brouillons proprement pour que ce soit lisible. Parce que sinon, ils sont un peu pourris.
Mais moi, c'est le moment que je préfère, là, et que je trouve le plus beau, en plus. Mais après, je suis obligé de faire des trucs qui soient lisibles par tout le monde. Et après, ça, c'est la phase peinture. Donc là, il y a mon crayonné qui est en bas, là, et que je photocopie exactement à la bonne taille du livre, et je m'applique à la peinture pour que ça soit une image en couleur à la fin. Et comme c'était l'histoire d'un petit garçon qui va tout à l'école et qui est appelé à parler au bureau, au tableau, pardon, je voulais que le chemin ait l'air super long, comme dans un rêve, de tricher sur la perspective pour qu'on ait l'impression que c'est il va passer des heures et des heures à remonter la classe. Et comme je ne sais pas faire de la perspective juste, ça m'aide à faire la perspective qui raconte quelque chose. Et souvent, moi j'ai l'impression qu'une image juste, elle va raconter moins qu'une image fausse ou biaisée un peu. Parce qu'on peut tricher, on peut jouer sur beaucoup de choses. On n'est pas. J'ai mis longtemps à me rendre compte qu'on n'est pas obligé de dessiner la réalité, qu'on fait ce qu'on veut en fait. Mais après, il faut choisir et il faut pouvoir justifier ses choix. Donc là, si j'ai raté les perspectives du couloir, c'est exprès. Et là, c'est la page avec l'arbre. Et donc, il y a toujours du blanc dans les dessins parce qu'il faut de la place pour le texte. Là, ça s'appelle l'encombrement du texte. Bon, voilà. Ça, c'est Pomelo et les contraires, qu'on a fait avec Ramona. C'est pas du tout dans les premiers, on a fait six premiers Pomelo. Sans vraiment, c'était pas du tout prévu d'avance, on devait en faire qu'un seul. Et comme il a bien marché, que l'éditeur était content, que moi aussi, on en a fait un deuxième. Et puis après, comme il a bien marché, le deuxième aussi, on en a fait un troisième. Et ainsi de suite. Et c'était. Non, c'est pas celui-là. Ouais. Non, mais je vais les premiers là, celui-là. Non, ouais. Voilà, donc les premiers Pomelo, ils étaient de ce format-là. Il y a trois petites histoires. Et c'était un livre un peu bizarre pour les enfants parce qu'il ressemble à un roman en fait, au niveau de la souplesse et de la taille. Et c'était un pari de l'éditeur de. Est-ce que les enfants vont le trouver à leur compte? Et en fait, j'ai l'impression que ça a marché parce que les petits avaient l'impression de lire un livre de grands et ça les flattait. Et les grands pouvaient avoir un livre qui ressemble à un livre de grands, mais c'était reposant dedans parce qu'il y avait une phrase par page et des dessins simples. Et donc tout le monde était content. Donc ça a marché avec les petits comme avec les grands enfants. Et on en a fait 6. Et c'est assez drôle de lire tous les titres dans l'ordre parce que ça raconte un peu nos vies avec Ramona. Et c'est pas mieux. Hein. Mais le premier, c'est Pomelo est bien sous son pissenlit. Pourquoi c'est Pomelo est amoureux. Pomelo rêve. Pomelo se demande. Pomelo s'en va. Et après, on a Pomelo grandit. Et c'est celui-là qui est rêvé après ça. Parce que l'éditeur voulait faire un format plus grand. Et Ramona, qui est une personne qui est quand même très incorruptible, elle a dit d'accord pour faire un livre plus grand, mais il faut que ce soit justifié. Et donc pour le justifier, on a fait que Pomelo grandissait, comme ça le livre était plus grand. Et on a eu des parents qui sont venus râler après en salon du livre en disant qu'ils ne pouvaient plus le ranger dans la bibliothèque, parce que ça ne rentrait pas. Et Ramona leur a répondu que leurs enfants aussi grandiraient, qu'il fallait qu'ils s'y préparent. Et après, on a fait des petits carrés sur les formes, les contraires, les couleurs, un peu molletonnés, et qui, moi je trouve, marche moins bien, parce que du coup là, ça fait vraiment pour les tout-petits, alors que le contenu est aussi conceptuel que les autres. Et du coup, on perd un peu tout le monde, hein. J'ai l'impression, avec ce petit molleton de couverture qui fait un bébé. Et ces Pomelo et les formes, et donc les gens, ils ont l'impression que c'est un livre sur les formes. Et ils disent, mais on a déjà, voilà, Pomelo et les contraires, mais les enfants, ils connaissent déjà les contraires. Et si on avait juste mis les formes de Pomelo ou les contraires de Pomelo,
ça l'appropriait plus. Et peut-être que c'était mieux. Mais comme Ramona est incorruptible et que tous les pomelos commencent par pomelo, on n'a pas changé. Mais bon, elle avait entièrement raison. Moi, je suis vénal et c'est elle qui fait que pomelo, ça tient la route depuis des années. C'est elle qui lit les contrats, c'est elle qui négocie avec l'éditeur. Elle fait très peur aux éditeurs parce que on ne peut pas toucher son texte. Et les éditeurs, ils aiment bien donner leur avis, tout ça. Et moi, je me souviens, j'ai un mail de Ramona que j'ai gardé. Et l'éditeur est un peu pressé parce qu'il y a toujours un moment où il faut que le livre parte chez l'imprimeur, parce qu'il y a le catalogue, parce qu'il faut que ça sorte, parce que nanana. Et donc il faut finir un peu toujours en catastrophe. Et Ramona qui avait envoyé ce mail formidable qui était « J'hésite encore entre une virgule et rien ». Et l'éditeur qui transpirait et qui la respecte au point d'attendre qu'elle décide si c'est une virgule ou si c'est rien. Pendant que moi j'essaye de faire des blagues et d'arranger tout le monde. Mais quand on travaille ensemble, c'est ça aussi. C'est elle peut réfléchir pendant 10 minutes, une heure en regardant dans le bac, et moi je fais 50 000 dessins parce que j'en peux plus. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui sort. Et là, sur les contraires, c'était assez intéressant dans le travail parce qu'on a mis à peu près une heure, tous les deux assis au café, à noter tous les contraires qu'on connaissait, petit, grand, gauche, droite, bien, mal, chaud, froid. Et donc le texte était écrit en une heure. Et après, il a fallu donc réfléchir à qu'est-ce qu'on dessinait pour chaque chose, se rendre compte qu'on aurait pu faire un livre avec juste toujours presque le même dessin, ça marchait. Mais donc choisir qu'est-ce qui était le bien, qu'est-ce qui était le mal, qu'est-ce qui était beau, qu'est-ce qui était laid, qu'est-ce qu'on apporte aux enfants quand même. On a une responsabilité, mine de rien. Et après, quand on a trouvé ça, ça nous a pris quelques jours. Le plus long de tout, c'était de trouver dans quel ordre on allait mettre les pages. Parce que c'est pas mis en bordel comme ça, et débrouillez-vous. On voulait que, quoi, dans l'ordre dans lequel ça apparaît, ben, ça va changer la façon de voir les choses. Et on voulait que ça raconte quelque chose aussi. Donc on a mis un temps fou à découper toutes les petites doubles pages, et à les mettre comme un jeu de cartes. Si dans cet ordre-là, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que c'est pas trop noir? Mais si on met ça, ça va être rigolo. Donc c'est intéressant. Et pour revenir à Pomelo, là, qui de vous deux a eu, enfin, peut-être tous les deux. La responsabilité de la trompe. Cette idée, oui. Ouais, mais c'est Ramona. D'accord. Mais du coup, le dessin. Le dessin, j'ai fait ce qu'elle me disait de faire. Mais c'est vraiment, on essayait de travailler ensemble depuis un moment quand même déjà, mais elle écrivait des trucs hyper poétiques, hyper abstraits. Il y avait une histoire de goutte d'eau qui était amoureuse d'un caillou, et il ne fallait pas que le caillou ait un visage. C'était un peu rêve pour moi en fait, dans mon style graphique. Il y a des illustrateurs qui pourraient y arriver, moi non. Moi je fais quand même des bonhommes rigolos, et des cailloux amoureux, c'est pas dans mon répertoire. Et donc on a essayé plein de fois de travailler ensemble, mais ça ne marchait pas. Et un matin, elle m'a dit, mais j'ai rêvé, et le rêve est resté un peu sur le bord de ma fenêtre. Et c'était un éléphant avec une grande trompe sous un pissenlit. Et moi j'ai trouvé ça formidable, et j'ai commencé à dessiner. Après j'ai dû batailler longtemps pour qu'il soit rose, parce qu'elle ne voulait pas de rose. En tant que fille, elle a le droit d'être contre le rose. Et moi j'ai mis un temps fou à lui expliquer que ça ne voulait rien dire d'être contre une couleur, ou d'avoir une couleur préférée, ou... que les couleurs, ça marche au moins à deux. C'est des contrastes, les couleurs elles commencent à exister quand elles vibrent avec une autre couleur. Après, une couleur toute seule, ça ne veut rien dire. Après, il y a des couleurs qui marchent bien ensemble, des couleurs qui ne marchent pas bien ensemble. Et moi, je trouvais que ce petit éléphant, dans un jardin qui était ouvert, si on faisait vert, on ne le voyait pas. Si on faisait gris, il ressemblait à une souris. Si on faisait marron, c'était moche. Rouge, c'était trop violent. Et que rose, ça faisait, c'était très visible et très beau. Et donc j'ai mis des jours à la convaincre. Et il est venu de nos volontés communes. Moi je voulais qu'il marche sur ses pattes arrière, elle a dit hors de question, c'est un animal qui a quatre pattes. Je voulais lui faire des oreilles plus rigolotes, il ressemble à une souris, ça va pas. On négocie beaucoup. Il faut qu'on soit tous les deux d'accord. Et je ne regrette pas finalement. Et dans la conception même, je reste sur les pomelos, ouais. Si ça ne t'ennuie pas. Dans la conception même de l'objet livre,
Par exemple, bon, là, Pomelo grandit, c'est quand même assez impressionnant de voir Pomelo qui grandit tellement qu'il il déborde de la page. Enfin, déjà, le format du livre. Oui, le format, c'était une volonté éditoriale à laquelle on s'est adapté. Mais c'est quand même pas quelque chose qu'on a fait contre notre volonté. Mais il faut quand même toujours trouver son intérêt dans ce qu'on fait. Moi, je ne fais pas les choses pour faire plaisir à un éditeur ou pour faire plaisir à un lecteur que je ne connais pas. Ou moi, j'ai besoin d'avoir mon intérêt dans les choses. Voilà. Mais donc, ça, c'est avec Ramona, on s'est assis ensemble et on s'est dit qu'est-ce que c'est grandir et qu'est-ce que c'est l'interrogation de grandir. Il ne faut pas trop grandir. Et puis, c'était un moment où Ramona, son garçon, allait en petite section à l'école, et son ambition dans la vie, c'était d'être moyen. Et on trouvait ça tellement mignon quand même. Quelqu'un qui veut être moyen, on dirait, lui, il ne fera jamais mal à personne. C'est formidable. Parce que, maman, si un jour je serais moyen. Et donc, on a mis, est-ce qu'avant d'être grand, il ne faut pas être moyen? Et moyen comment? Moyen grand? Moyen. Et donc, c'est toutes les questions qu'on peut se poser. Et nous, quand on fait ça, on réfléchit à toutes les questions qu'on s'est posées en tant qu'enfant, parce qu'on a été enfant, et moi j'ai l'impression de ne pas avoir arrêté d'un coup d'être enfant. Mais on est des adultes, et on a des questionnements d'adultes, et des goûts d'adultes, donc moi j'essaie de que mes livres ne soient pas juste pour les enfants, mais qu'ils soient pour les adultes aussi, ou pour les enfants aussi. Ouais, mais après, il y a 7 ans qui sont passés, il a évolué, hein, c'est comme Tintin ou Lucky Luke, hein, entre les premiers et les derniers. Le personnage s'affine. Mais donc, il y a des pages, et c'est intéressant à faire pour Melo, parce que c'est assez abstrait, quelque part, c'est assez poétique, c'est assez philosophique, c'est pas narratif, quoi, c'est pas une histoire, il n'y a pas un début, une fin, avec un problème au milieu. On épuise des sujets, il y a l'amour, il y a le rêve, il y a grandir, il y a les questionnements, et du coup on peut vraiment passer d'un registre graphique à un autre. Des fois je fais des dessins qui sont abstraits, des fois je fais des dessins qui sont réalistes dans la limite de mes capacités. Mais c'est un jeu intéressant d'exploration de comment on peut s'adresser aux enfants. Ouais. Et oui, là, c'est le dessin, le deuxième, en partant du haut à gauche. Ce dessin, il peut faire devant, derrière, mais il peut faire grand, petit, gauche, droite, bas, haut, content, triste. Et à un moment, on s'était demandé hein, si on n'allait pas faire tout le livre avec deux dessins. Après, ça aurait été un peu raide, et on en aurait moins vendu. Mais on aurait pu, c'est intéressant aussi, de montrer qu'avec deux mêmes dessins et du texte différent, ça fait... chose aussi. Ce qui est intéressant, en fait, dans ce métier, c'est que le texte ne doit pas raconter le dessin et que le dessin ne doit pas illustrer le texte. C'est deux choses séparées qui se mélangent dans le cerveau du lecteur. Et du coup, il y a autant d'interprétations que de lecteurs. Et nous, on essaye d'être le plus ouvert possible, de faire confiance aux enfants. Et c'est Ramona un peu qui m'a appris ça, hein, que les enfants ne sont pas des êtres inférieurs ou plus stupides. Ils ont la même intelligence que nous, ils ont les mêmes émotions que nous, ils ont juste moins d'expérience. Et donc à partir de là, il faut leur faire confiance. Et plus on leur donne de travail, de réflexion et de choses à faire en lisant le livre, plus ils en font. Et d'un moment, ils peuvent en faire beaucoup, ils peuvent nous surprendre. Et ils sont contents de le faire, en fait, et ça fait des lectures qui sont très enrichissantes pour eux, finalement, plutôt que de tout mâcher. Voilà, là, c'est il ne faut pas être moyen avant d'être grand. Et c'est Ramona qui a eu l'idée du dessin, parce que moi, je lui ai demandé, mais c'était bien gentil avec ce texte, mais comment je le dessine, moi? Et elle a dit, t'as qu'à faire comme des moules à gâteau, un petit, un grand, un moyen. On essayait de se souvenir de tous les questionnements qu'on avait. Ça, c'est pour vous montrer que je sais aussi dessiner des éléphants réalistes.
Et ça, c'est comme ça que je travaille quand je fais de la peinture. Donc j'ai mon crayonné, que j'ai photocopié à la bonne taille, parce que j'arrive pas à le redessiner pareil. Je perds toujours un truc. Quand j'arrive bien à dessiner tout petit, mais quand je dois redessiner grand, le regard n'est pas le même, l'attention, et puis il manque un millimètre et ça me gâche. Il y a un truc qui va vraiment pas. Donc je photocopie, c'est facile. Ou j'imprime plutôt parce que je scanne. Et après, avec ma table lumineuse, je décalque sur du beau papier, que je colle sur du bois pour pas que ça gondole, parce que je supporte pas quand ça gondole. Après, j'ai mon nuancier de rose pomelo, qui est là-haut, les deux petits points roses. Je m'en sers tout le temps parce que j'oublie toujours. J'ai deux blancs dans mes gouaches, j'ai du blanc de titane et du blanc permanent. Et je n'arrive pas à me souvenir quel blanc j'utilise, donc il faut ça. Donc je me souviens de comment je fais le rose de pomelo. Et après, je fais de la gouache. Et c'est toujours une catastrophe. En fait, toujours un moment où je me dis, mais ça y est, ça y est, c'est vraiment foiré, et que j'y arriverai jamais, et que j'aurais jamais dû accepter de faire ce livre, et que tout le monde va se rendre compte que je ne sais pas dessiner, et que Et après, c'est la bataille pour sauver mon dessin, en fait. Et c'est un peu. C'est comme ça que j'ai mon permis de conduire. J'ai roulé dans un arbre, et après, je suis parti. Et là, je fais pareil, c'est-à-dire que je rate mon dessin, et après je le sauve. Et comme ça, comme il est déjà raté, j'ai plus peur de rater. Et tout ce que je fais va sauver le dessin. Et donc je rajoute des ombres, je mets du blanc, je patouille, toutes les couleurs se mélangent. Et comme j'ai quand même un peu d'expérience, je sais où ça peut aller en fait. La peinture, c'est un truc qu'on peut guider, et savoir vers où on va, tranquillement. Et au bout d'un moment, en mettant des ombres, de la lumière, en corrigeant, j'ai mon dessin. Mais si je recommençais au propre, sachant quoi faire et où mettre les couleurs exactement, il n'y aurait pas eu cette bataille avant et ça serait moins intéressant finalement, comme image. Les couleurs seraient propres et il y aurait peut-être des problèmes de contraste, ou il n'y aurait pas d'harmonie, parce que là j'ai tout mélangé tellement de fois que ça devient harmonieux, quelque part. Mais vraiment, chaque fois que je commence un dessin, je ne sais pas comment il va finir, et chaque fois j'ai l'impression que je n'y arriverai pas. Et c'est toujours une surprise, et ça fait partie du plaisir. Je ne suis pas une imprimante de mon cerveau. J'ai toujours ce truc, et je suis obligé de mettre des couleurs pour voir si elles vont ou pas. Donc après je les enlève, plus ou moins facilement, mais je suis obligé de... Si j'ai du blanc, je ne sais pas quoi mettre. Je mets du rouge, et je dis « Ah ben non, c'était pas du rouge. » Mais après je le sais. Et après, l'éditeur rajoute le texte, et voilà. Ça, c'est le livre que j'ai recommencé à écrire. Donc, 16 ans après avoir commencé dans l'édition, et avoir écrit tout seul mes deux premiers livres, et n'avoir plus fait qu'illustrer le texte des autres, j'ai recommencé à écrire parce que j'ai repris confiance et j'en avais marre que personne n'écrive les histoires que je voulais. Et c'était deux personnages qui traînaient dans mon carnet de brouillon et je ne savais pas comment faire. J'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien la situation. Il y en a un qui est complètement exalté devant le paysage, avec les cheveux dans le vent, et qui est en train de raconter. Et son camarade lapin qui a ses oreilles devant les yeux, qui ne voit pas. Et qui a l'air complètement bête et inutile. J'aime bien le contraste, mais par contre, je ne savais pas ce qui allait se passer entre les deux. Donc j'ai mis des mois à imaginer qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux dans la forêt. Est-ce qu'ils vont trouver des contrebandiers? Est-ce qu'ils vont trouver un trésor? Est-ce qu'il y aura des chasseurs? Est-ce que... Et j'ai tourné avec ça dans ma tête pendant des mois, mais je ne sais pas que ça. Hein. Moi, j'ai toujours 3 ou 4 livres en même temps, en cours. Où je fais le crayonné, je fais la couleur de l'un, j'attends que l'éditeur valide. Je fais d'autres choses. Et puis c'est trop fatigant de faire que la même chose dans la journée. Donc le matin, je fais crayonner, l'après-midi, je fais de la peinture, je peux faire un peu d'ordinateur. Ça fait mal au dos, donc j'arrête. Et un jour, avec une amie au bar, elle me dit qu'elle avait un ami, quand elle était petite, qui
qui voulait un lapin tellement fort que ses parents lui ont acheté, puis il s'est rendu compte que c'était nul, qu'il ne jouait pas avec lui, qu'il fallait s'en occuper. Donc il a décidé de l'abandonner. Et il a abandonné son lapin à la ferme d'en face, et il a dû finir en civet. Et moi, je me suis dit, mais c'est formidable, c'est ça mon histoire. Et donc en 2 heures, comme j'avais déjà tout dans la tête, dans tous les sens, j'ai eu l'histoire qui s'est mise en place, et j'ai écrit du début à la fin, mais d'un coup. Et c'est donc l'histoire de ce petit garçon qui décide d'abandonner son lapin dans la forêt, parce qu'il ne veut plus être un bébé, et il veut avoir des amis comme tout le monde, et que son lapin est nul. Et le lapin, il ne comprend pas du tout ce qui va lui arriver, et il le suit. Et je voulais que les enfants, lecteurs, soient un peu révoltés contre le petit héros. Parce que moi, j'aime bien dans les livres ou dans les films que je vois, quand je ne suis pas d'accord avec le comportement du héros, quand j'ai envie de le secouer et dire « enfin, arrête de te bourrer la gueule et va lui dire que tu l'aimes » ou des trucs comme ça. Voilà. Et je voulais que les enfants, en lisant, ils disent « mais enfin, on ne peut pas abandonner son lapin dans la forêt, c'est méchant. » En plus, c'est pas facile. Hein. Donc le lapin, pour l'abandonner, il est obligé de l'attacher. Et là, je recycle la ficelle rouge. Ah, vous voyez, hop, un livre qui n'était plus d'idée, mais une bonne idée, donc rien que le faire. Et donc le lien. Et j'ai fait bien attention que le fil soit trop court pour que le lapin mange la carotte. Et comme dans Crime et Châtiment, le petit garçon a des regrets, des remords, et il n'arrive pas à abandonner son lapin complètement, donc il revient. Et quand il revient, le fil est toujours là, mais le lapin a disparu. Et le petit garçon se demande comment son lapin, quoi c'est quoi le texte, c'est je n'arrive pas à croire que mon lapin ait pu me laisser tomber comme ça. Et c'est assez autobiographique, en fait. Où j'ai toujours l'impression que si c'est bien pour moi, c'est bien. Et j'arrive pas à voir que ça peut être pas bien pour les autres. Et dès que ça m'arrive à moi, après, par contre, je me rends compte. Et finalement, il est obligé d'aller toquer à la porte d'une cabane inquiétante pour savoir s'ils n'ont pas vu son lapin. Et de prendre sur lui, et il se dit que ce serait quand même plus facile s'il avait son lapin avec lui pour l'aider, et que, en même temps, si son lapin était là, il n'aurait pas besoin d'aller le faire. Et le lapin est là, avec une petite fille et son chien. Et ça finit bien, en fait, parce que j'arrive pas à être méchant jusqu'au bout. Et il se rend compte que grâce à son lapin, bah, il a eu de nouveaux amis, et que c'est pas si nul un lapin finalement. Et qu'il n'est pas si lourd. Ça, c'est une image que je devais faire, c'est le poster sur l'opéra qui est là. Et il fallait que je fasse un poster. Moi, c'était une commande d'un éditeur. J'ai choisi l'opéra. Et ça, c'est le crayonné que j'ai fait, qui doit faire, dans mon carnet de croquis, il doit faire 3 cm sur 4, un truc comme ça. Et après, le poster en lui-même, il fait 1 mètre sur 70 cm. Ça, je vais tac, tac. Et donc j'ai redessiné mon crayonné plein de fois, de plus en plus grand, en rajoutant des détails, en rajoutant des gens. Et comme je ne savais pas comment m'en sortir, j'ai mis tous les gens que je connaissais en fait dans le public, et dans tous mes jeunes amis qui font d'un instrument, je les ai mis dans l'orchestre. C'est celle qui arrive en retard, c'est une amie qui est toujours en retard. Celui qui dort, c'est mon oncle. Je les connais tous. Et ça m'a aidé en fait à me marrer tout seul et à avoir des personnages vrais ou véridiques, en tout cas. Parce que imaginez 50 personnes dans un dessin, au bout d'un moment, moi je fais toujours des patates avec une moustache, patates avec lunettes, patates avec chapeau. Mais c'est pas très. C'est pas drôle à faire, c'est pas drôle à regarder. Du coup, j'ai trouvé le moyen de m'amuser en mettant plein de clins d'œil, que je suis peut-être le seul à pouvoir lire. Mais ça m'a tellement plu de faire ça que j'ai demandé à mon éditrice si elle était d'accord que je fasse un livre dans cette technique-là, qui était nouvelle pour moi,
Parce que je viens de Pomelo et de la Dieu Chaussette à la peinture avec peu de détails. Et là, c'était un style qui est plus proche de ce que je fais dans mes carnets de croquis, mais que j'assumais pas comme illustration finie. Et beaucoup plus fouillé. Moi, je ne savais pas que j'étais capable de faire des dessins qui demandent autant de patience, en fait. Mais elle m'a dit, mais oui, vas-y, fonce, fais l'histoire d'un papa kangourou qui cherche son petit kangourou. Parce qu'à l'époque où j'ai fait ce livre, je suis devenu papa. Et j'avais toujours mon fils en écharpe. Et ça faisait marrer mon éditrice. Et donc, on a décidé avec l'éditrice de faire une sorte de cherche et trouve, où le papa cherche son petit, parce que moi, c'était à peu près l'émotion que je ressentais en devenant père, c'était la panique totale d'être responsable d'un être si petit, si fragile, et qui n'était pas moi, quoi, qui allait avoir sa propre volonté, qu'il va falloir que je contrôle, mais que j'accompagne, mais que je protège. Et donc j'ai partagé ce sentiment de panique totale avec ce papa qui cherche dans des images. Ça ne marche pas. Très compliqué. Donc voilà, l'histoire d'un enfant qui ne dort pas et qui se bat. Pendant que le papa dort, quand le papa se réveille, il panique et donc il va chercher son petit dans tout le livre. Et il faut que le lecteur cherche aussi le bébé ours dans l'image. Mais c'est pas un chercher-trouve, il y a vraiment une histoire avec un début, un milieu, une fin. C'est pas juste cherche dans cette page, cherche dans cette page. Et ça m'amène progressivement à la ville. Et du coup, là, c'est tous mes carnets de croquis de bar que j'ai compilés dans cette image. Et là, c'est vraiment le café du Chat Noir où j'allais. À Paris et j'y suis avec mon fils en écharpe. Et jusqu'à l'opéra. Et après, en lisant des articles de presse de journalistes intelligents sur ce livre, et ils disaient que c'était pas aux parents d'ouvrir le monde aux enfants, mais c'était les enfants qui ouvraient le monde aux parents, et c'est grâce à son bébé que cet ours va quitter la forêt pour entrer dans la ville qui est la civilisation et avoir accès à l'opéra qui est la culture. Et que même s'il est dans des situations qui sont désagréables, ça lui ouvre tout un nouveau monde. Et je suis d'accord avec cette interprétation, même si je pense que j'y ai pas réfléchi avant. Et ça, c'est comme ça que je travaille. Donc j'ai mes carnets de croquis, les crayonnés que j'agrandis et que je décalque. Comme ça, j'ai jamais de moment crucial, en fait, dans mon travail. Comme c'est très impressionnant d'être illustrateur, il n'y a pas de moment où ça peut tout rater ou tout réussir. Il y a un moment où je fais mes crayonnés, mes brouillons, et si j'ai des idées bêtes, bah, tant pis, quoi. Je dessine à côté autre chose, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai une bonne idée. Après, j'ai plus qu'à la recopier, à l'agrandir, à la décalquer et à la colorier. Donc il y a plein de petites étapes où je prends jamais de risques. Et à la fin, j'ai un livre. Puis en plus, il y a toujours un moment où j'échange avec l'éditeur ou avec l'auteur, peut-être des auteurs, pour avoir des retours, des corrections. Même si c'est un milieu où on ne peut pas... Enfin, un milieu. J'ai l'impression que je ne peux pas faire confiance à beaucoup de monde sur mes dessins. Par exemple, ma mère, je ne peux jamais lui demander son avis ou toute ma famille. Ou mes amis, quoi. Il y a vraiment quelques illustrateurs en qui j'ai confiance, mon éditrice, et c'est tout. Et donc après, ils partent à la mer. Parce que le livre a été... mais bon, ça c'est des histoires parallèles, mais le livre a été pris par plusieurs CAF pour être offert à tous les nouveau-nés dans plusieurs départements. Et du fait, j'ai été invité en Savoie et à l'île de la Réunion. Enfin, je ne suis pas allé en Savoie. Et après, j'ai fait la suite à l'île de la Réunion pour être réinvité, mais ça n'a pas marché. Ça, c'est un livre qu'on devait faire avec Ramona, et ça s'appelle Truc et Nuche, et c'est deux petites bestioles qui vivent dans une boule qu'on secoue, il y a de la neige. Mais ça m'a complètement claustrophobé de faire ça, en fait. Et on n'a jamais réussi à le finir, parce qu'en plus, c'était hyper béquétien, en attendant Godot comme
comme une... Ramona vient du théâtre. Alors c'est bien le théâtre, mais des fois c'est... Moi ça m'ennuie. Et là, j'arrivais pas à m'en décoller de ces deux-là qui attendent quelque chose. Et le seul truc qui peut se passer, c'est qu'on secoue la boule et qu'il neige. C'était horrible. Du coup, on n'a pas réussi à l'amener jusqu'au bout, ce projet-là. Tant pis. Mais j'ai recyclé pour d'autres livres. Avec un passage qui me ressemble plus. Ça, c'est les bêtises que je fais avec Gilles Bachelet sur Facebook. On avait fait toute une série de dessins sur l'art et la cuisine. Donc des artistes, là c'est Botticelli qui fait la vaisselle, donc hein, les trois grâces. Et deux gars qui va prendre son café avec son serveur attitré. Et c'était vraiment pour me marrer avec Gilles. Sur Facebook, mais comme je suis ami de Facebook avec mon éditrice, ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que des fois elle voit quand je travaille pas, mais comme elle a bien aimé les dessins, elle a décidé d'en faire un livre. Et je pense qu'il aurait été moins bien si j'avais décidé d'en faire un livre tout de suite. Quoi. C'est vraiment, on a fait tous les dessins et une fois qu'il y avait tous les dessins, on a dit il faut le faire. C'est pas un livre pour enfants, donc. Ça, c'est crayonné en couleur, que je fais très rarement parce que j'ai pas le temps. Mais là, j'avais rien à faire cette semaine-là et j'étais coincé. Et du coup, j'ai fait mes croquis en couleur et c'est chouette, en fait, c'est important. Et vous voyez, quoi, c'est pour vous montrer que je peux faire 10 fois le même dessin, presque exactement pareil. Avec des toutes petites différences, les rideaux qui se touchent en haut, qui se touchent pas, plus ou moins de classe, la tête qui... Et puis ça va faire une sensation. Ça va me faire une sensation. Et c'est avec ça que je vais voir si l'image me plaît ou pas. Et après j'essaye de refaire la même magie en grand, au propre, et c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut pas faire des brouillons trop beaux, parce qu'après le dessin au propre est moins beau que le brouillon, et c'est emmerdant. Ça, c'est la suite d'Adieu Chaussettes, avec ce petit garçon qui là, est invité à un anniversaire. Et j'ai vraiment pris une histoire qui m'était arrivée quand j'étais petit. Parce que ça, c'est quoi, de toute façon, mon travail est de plus en plus autobiographique. Avec cette histoire de Papa Ours et ce petit garçon égoïste. Et moi, quand j'étais petit, j'avais été invité à un anniversaire d'une fille dont j'étais amoureux, mais elle pas. En tout cas, elle ne m'a pas beaucoup considéré pendant tout l'anniversaire et elle dansait pas avec moi. Ça m'a tellement vexé que j'étais parti. Et que j'étais allé bouder tout seul dehors dans le froid en attendant que ma mère vienne me chercher. En pensant que j'étais le plus triste du monde et que. J'ai vraiment pas de chance. Et du coup, de cette mauvaise aventure, j'ai fait un livre. 30 ans plus tard. Ça, c'est Georgia que Timothée de Fombelle a écrit, avec de la musique dedans, et qui était vraiment une super histoire. Et ça m'a beaucoup impressionné de travailler avec Timothée de Fombelle. Du coup, je me suis appliqué. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui déménage et elle n'a plus de parents, même si c'est pas dit vraiment, clairement. Mais en tout cas, ils sont pas là. Et elle va avec sa tante dans une nouvelle maison. Et elle amène avec lui ses rêves. Donc il fallait que j'imagine comment on dessine des rêves, à quoi ça ressemble. Ouais, je sais pas. Voilà. Et en plus, c'était dans les années 70, donc c'est pas mal, je pouvais me souvenir de moi à cette époque. Et donc je lui ai fait un pull que j'aurais pu porter, et ses rêves, c'est un mélange de mes peluches et des animaux de Sesame Street, que je regardais à la télé à l'époque. Mais de toute façon, moi je me nourris de
tous mes souvenirs et de toutes mes lectures. Et j'essaye, pour être juste, d'être juste avec l'enfant que j'étais à l'époque. Quoi. Moi, je ne m'adresse pas. Je ne fais pas mes livres pour faire plaisir à l'éditeur ou pour faire plaisir à l'auteur, encore moins. Ou pour des enfants que je ne connais pas. Je peux pas. Moi, j'avais réalisé à l'école que j'avais des meilleures notes quand je m'amusais à faire l'exercice que quand je me disais, bon, cette espèce de vieille petite prof, qu'est-ce qu'il attend de moi? Et quand on avait une affiche à faire, ben je faisais une affiche pour vieille abruti. Et j'avais une note médiocre, parce que j'étais nul mon affiche, en fait, parce que j'essayais d'imaginer ce que le prof voulait. Et quand j'ai compris que si je m'amusais à faire les choses, j'avais des meilleures notes, et qu'en plus c'était amusant, j'ai vraiment compris quelque chose. Et du coup, maintenant, quand je fais des livres, ou tout dessin que je fais un truc que j'aimerais lire, moi, avant tout. Et ça, c'est ce que je fais en ce moment, c'est Little Urban, l'éditeur de qui bosse avec Dupuis, en fait, qui m'a proposé de reprendre les Mœurs de Pilani. Et ben ça se refuse pas, donc j'ai accepté de le faire. Ils m'ont demandé si je voulais faire aussi l'histoire, et comme j'ai eu peur qu'ils me mettent un auteur que j'aime pas, j'ai décidé de faire l'histoire aussi. Et c'est vachement chouette d'avoir tout l'univers de Franquin à reprendre, avec les personnages là, la forêt vierge. Et puis il me laisse une liberté totale de faire ce que je veux. Après, il y a toute une histoire de droits d'auteur compliquée, que j'ai pas du tout à gérer parce que c'est Dupuis, et que c'est eux qui ont les droits du Marsupilami, et qui s'en occupent. Après, il faut juste que Isabelle Franquin, qui est la fille de Franquin, qui est l'ayant droit, elle a le droit moral, en fait. Donc c'est elle qui peut décider que mon travail dénature ou pas l'œuvre de son père. Et donc elle regarde les crayonnés, et elle regarde tout, et elle décide si on en édite ou pas. Et là, comme il y a eu le film Gaston Lagaffe, elle n'est pas contente du tout, elle est un peu en froid avec mon éditeur, donc c'est plus difficile, mais c'est pas de ma faute. Donc ouais, je fais toujours à peu près la même chose, mais dans la jungle, quoi. Ça, c'est le quatrième petit ours. Ouais, de plus en plus de détails, ça fait mal aux yeux. Ça, c'est un autoportrait. Non, mais c'est quand j'avais été jury pour un salon du livre très important à Bologne, qui est le salon du livre jeunesse le plus grand d'Europe. Et ils font un concours tous les ans avec plein de jeunes illustrateurs, des vieux même, hein, c'est ouvert à tous. Et ils font un catalogue qui s'appelle l'annual, c'était 2016 je crois, et on est 5 jurys. Il y avait 2 illustrateurs, 2 éditeurs et une femme qui travaille pour l'Astrid Lindgren Memorial, qui est un organisme suédois de livres pour enfants. Et donc on était 5 à devoir juger 3000 dossiers. Et c'est 5 dessins par dossier, donc ça fait 15 000 dossiers en 3 jours. Donc si on dit qu'on travaille 10 heures par jour, ça fait 1500 dessins de l'heure, comme ça. Ou je dis n'importe quoi, je sais plus, mais en tout cas c'était énorme, c'était trop, quoi. C'était dans un gymnase, il y avait des grandes tables qui se touchaient avec tous les dessins, et on passait en disant non, 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 peut-être, non, 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 peut-être. Donc 2 jours de ça, de courir entre les trucs, avec les éditeurs qui étaient là en train de dire « Oh, mais attendez, ça peut être intéressant, regardez. » Et nous, les 2 illustrateurs, on disait « Non, 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 non. » Pour le catalogue de Bologne. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on s'était mis d'accord en amont, tous ensemble, sur qu'est-ce qu'on allait sélectionner comme dessin, quels étaient les critères. Parce que c'est pas j'aime, j'aime pas. On va pas être 5 à dire ben ça j'aime, ben moi non j'aime pas, sur tous les dessins, c'est infini. Donc on voulait qu'un dessin sélectionné soit
viennent plutôt d'un illustrateur inconnu, jeune, parce que bon, sinon c'est toujours les mêmes dans le catalogue de Bologne. À quoi ça sert de toujours être dans le catalogue de Bologne? C'est un truc qui peut permettre à des jeunes illustrateurs d'être mis en avant, de trouver du travail. C'est pas pour réconforter toujours les mêmes illustrateurs qui ont du boulot, du succès, et n'ont pas besoin de ça. On voulait que ce soit narratif, on voulait que ça parle aux enfants, et on voulait que ça parle du monde d'aujourd'hui. Donc il y a très peu de livres, hein, qui, au de deux projets, même là-bas, où on parle de familles recomposées, de pollution, de guerre. C'était beaucoup de petits chaperons rouges, un truc qui aurait pu être dessiné il y a 30 ans. Donc on a essayé de mettre ça en avant, et c'était intéressant, même si épuisant. Et voilà, encore une autoportrait. Et c'est fini. Voilà. À peu près une heure. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez... Vous n'avez pas d'image de celui que vous avez choisi, une salle que vous avez choisi pour ce concours-là? Pas pour le... Pour le concours de Bologne. De Bologne. Il y a le catalogue, mais il y en a 70 en fait qu'on a choisi. Ah d'accord, ok. Non, on n'en prenait pas un, il n'y avait pas un grand gagnant. Après, dans le... Nous, on a été tellement sévères qu'on en avait 50, donc il a fallu qu'on en sauve 20. Et mais c'était bien, comme ça on a pu nous marchander. Moi je donnais celui-là, et toi tu prends celui-là. Et après, il y a deux prix qui se greffent sur le catalogue, et qui, eux, choisissent un seul illustrateur, mais nous, c'était 70 et un catalogue. Okay. Et il y avait quand même, je pense qu'il y avait 10 dossiers où on était tous les 5 complètement sûrs que ça devait avoir sa place, et après, tous les autres, c'était, on était 4 sur 5 à être d'accord, ou voire 3 sur 5 pour certains. Ah, je crois qu'il y avait des étudiantes qui voulaient poser des questions, particulièrement sur Petit Tour, mais pas que. Donc, allez-y. Vous voulez venir là? Non, ça va? Oui. Je voudrais revenir sur le livre La Chanson de la mise en scène du livre a donc une forme ludique, le titre également. Et donc pourquoi jouer sur ce décalage entre le titre qui évoque une berceuse, l'univers trépidant de l'histoire et l'opéra? Ah ah. Bah, j'essaie de faire des liens, de retomber sur mes pattes à la fin, mais j'ai tout un gros bordel d'idées à mettre en forme. Et moi, je chantais une chanson douce à mon fils pour l'endormir, déjà. Et je n'ai rien contre les jeux de mots foireux. Et l'opéra, ça vient de cette image. Et moi, l'opéra, ça a une importance aussi, parce que quand j'ai fait mes études à Paris, je suis allé chez ma marraine, qui me logeait, et qui, elle, travaille pour une émission de télé sur l'opéra. Donc elle m'invitait souvent à l'opéra, et c'était... J'ai pas eu besoin de me documenter pour dessiner un opéra hyper réaliste. Et ça fait partie de ma vie, en fait. Et après, comme je dis, c'est assez autobiographique, en fait. Et moi j'aime bien aussi jouer sur les contre-pieds, où on peut... avoir un titre doux et faire un rythme freiné dedans. Enfin, c'est toujours intéressant d'avoir des surprises comme ça, des stabilisations, et dans le dessin, il raconte peut-être pas la même chose que le texte, et qu'on peut dire c'est un grand moment de calme, et puis de voir dans l'image que pas du tout, en fait, ça fait une blague. Du coup, toujours par rapport à Petit Ours, il y a souvent la foule qui est représentée. Oui. Et du coup, quand on commence un peu à détailler, on a des personnages qui font des choses assez loufoques, voire inappropriées avec le thème général. J'ai souvenir d'un personnage qui était avec son cheval sur un bateau. Ah oui, c'est vrai, sur le livre, dans le bateau. Ouais.
m'a fait beaucoup rire. Et du coup, on se demandait si cette singularité qui était un peu du coup exacerbée dans cette masse, est-ce que justement c'était une critique un peu de l'effet de masse? Je sais pas trop. Moi, j'ai pas de... J'ai l'impression de pas avoir vraiment de message à délivrer à l'humanité. J'ai un point de vue que je peux partager. Mais c'est déjà parce que c'est pénible de dessiner une foule sage et que ça serait pénible à lire aussi. Moi, j'ai envie que ça fasse rigoler, qu'il y ait des trucs surprenants. Moi, j'aime bien dans les livres que les personnages fassent les clowns et qu'il se passe des choses hors du commun. Sinon, ça serait un autre livre. Moi, j'ai envie que ce soit loufoque. Moi, j'aime bien que le monde soit loufoque et j'aimerais bien que ce soit un peu plus loufoque et qu'on puisse aller prendre le bateau avec son cheval. Et oui, ça peut être un monde fantasmé, rêvé. C'est vraiment parce que ça m'amuse tout seul de faire ça. Et de faire des trucs tellement bêtes que j'ai un peu honte, mais je le fais quand même. À l'aise, j'ai envie que lui il n'ait pas de soucis. Et quand il fait des bêtises, il s'en rend pas compte, et quand il fait quelque chose d'interdit, il s'en rend pas compte, et c'est toujours bien pour lui. Il est toujours content, il est toujours partant. Et j'ai pas envie qu'il culpabilise ou qu'il ait conscience de faire une bêtise. Parce que pour moi, l'enfance, c'est cette. C'est pas une pureté, c'est pas une naïveté, c'est une insouciance. Et il va tout emmener. Parce que c'est pour les enfants lecteurs, j'ai pas envie qu'ils aient peur avec le. Personnage, mais qu'ils aient peur de ce que peut faire le personnage. C'est les adultes, c'est le regard des adultes qui dit voilà, c'est dangereux, voilà, c'est interdit. Et je pense que les enfants, ils ne s'en rendent même pas forcément compte. Lui, il suit son abeille, il n'est pas en train de dire je suis en train de me barrer de la maison. Et donc, moi, j'avais envie d'avoir cette insouciance-là du personnage, en effet. Et j'essaye toujours qu'il ait suffisamment pas de recul sur ce qui lui arrive pour. Culpabiliser, pour avoir peur, ou alors juste au moment où ça lui arrive. Mais il n'est pas dans un monde adulte, il est dans un monde tout simplement. Mais en effet, ils sont en train de l'adapter à la télé pour faire une petite série. Et les chaînes, elles ont du mal avec cette histoire de que font les parents quand même. Ce petit ours est tout seul dans la forêt, c'est dangereux, c'est pas bien. Et ça, dans le monde de l'édition, il n'y a pas de problème, on peut le faire. À la télé, c'est un peu plus délicat, parce que les parents, normalement, ils sont censés protéger leur enfant, et c'est pas bien de laisser un enfant divaguer. Alors après, les producteurs du dessin animé ont dit oui, mais c'est un peu comme si c'était un grand village, avec les autres animaux qui surveillent aussi, il y a d'autres adultes référents qui peuvent l'accompagner, il n'est jamais complètement seul, il n'est jamais complètement en danger. Mais après, oui, on se retrouve devant des questionnements, parce que c'est un ours, c'est son papa ours, mais en fait, c'est un enfant avec son père. Et donc, il y a toujours ce problème-là, c'est des ours, mais c'est pas des ours. Ils peuvent pas vraiment, ils peuvent pas s'arrêter de bouffer une biche, quoi, ça serait pas possible. Après, il faut avoir le temps, l'énergie, la volonté, la capacité. Moi, j'ai pas du tout fait d'études de ça. J'ai pas. Ça s'apprend. Il y a des écoles de dessin animé, des gobelins, la poudrière à Valence, et je sais plus quoi d'autre. Moi, j'ai des copains de classe qui sont partis faire du dessin animé, mais moi non. Et il y a eu certains de mes livres déjà qui ont été adaptés en dessin animé. Et c'est toujours cette question de qu'est-ce que je laisse et qu'est-ce que je contrôle. Et c'est des tellement grosses machines qu'on ne contrôle vraiment pas assez. Et moi, ça m'a désespéré. Et du coup, je laisse faire maintenant. J'essaie de ne pas être. C'est mon travail, c'est mon œuvre, et j'en suis responsable et j'ai envie de l'accompagner le mieux possible. Mais j'ai pas la rage suffisante pour.
aller contre les volontés des chaînes, les coups. Il y a 50 personnes qui dessinent dessus. C'est comme des paquebots. Tu ne peux pas dire demi-tour tout. On peut varier le cap de 1 degré, si tu veux, pour te faire plaisir. Quoi. Mais donc, moi, je ne me sens pas de batailler pour changer un des mini-trucs qui seront peut-être encore... ça va faire pire, peut-être, au final. Du coup, moi, je leur fais confiance. Je les rencontre beaucoup. Ils sont chouettes. Il y a un réalisateur qui est vraiment... il dessine de façon un peu plus comics que moi. Quoi. C'est plus proche des Simpsons que montrer à moi. Mais ça se prête peut-être mieux à l'animation. Je laisse faire. Je fais confiance. Après, ce que je fais, ce serait trop cher à faire exactement montrer et tous les détails dans un dessin animé. C'est monstrueux. Moi, je passe un temps fou pour une image. Eux, ils en sont à des dizaines de milliers. Donc, il faut simplifier. Moi, je ne saurais pas simplifier bien. Donc, je leur fais confiance. Et pareil, si je voulais gagner des sous, il faudrait que je sois directeur d'écriture. Ça veut dire que c'est moi qui gérerais tous les scénarios de tous les épisodes. Mais c'est un autre métier, quoi. Moi, je mets un an pour écrire une histoire, je peux pas faire ça. Parce qu'il y a toutes les corrections, les mecs qui vont hyper vite pour faire les corrections, tout ça. Donc, j'aurais pas beaucoup de droits d'auteur sur cette histoire. Mais j'essaie de m'en sortir le moins mal possible, on va dire. Oui, mais c'était aussi un ras-le-bol. Enfin, si c'est chéré du jardin. Ouais. Est-ce que maintenant, il serait possible de repasser un format petit, sachant qu'il est déjà parti? Non, ça serait l'échec quand même de revenir. Hein. Je veux dire, c'est parti, soit tu reviens la queue entre les jambes, soit tu continues ta vie. Mais moi, j'en avais marre de dessiner toujours le jardin, toujours des rangées de poireaux, de faire des fraisiers, et Ramona aussi, et donc Pomelo aussi. Du fait. Et là, on a cassé toutes les... Parce que ça fait quand même 16 ans qu'on le fait, il y a 14 Pomelo. Et au début, on avait un cadre hyper conceptuel, hyper rigide de Pomelo. Ça commence toujours sous le pissenlit, ça finit toujours sous le pissenlit, dans le jardin. Il sortira jamais du jardin. Il n'a pas de parents. Et puis on a cassé tous les cadres parce qu'on ne pouvait plus, c'était trop étroit. Donc on est sorti du jardin, on a viré les pissenlits, on a mis les parents, on a grandi le format, on n'a fait plus trois petites histoires mais une seule grande, parce qu'on a besoin d'air. Quoi. On peut pas, quoi. Après nous on a besoin de se faire plaisir aussi, on aurait pu hein, continuer à faire ça, mais ça aurait été... Quoi, on a fait une dépression, on a tout viré. Quoi. Ouais, mais... Non, mais c'est... les rangées de carottes, ça suffit, au bout d'un moment. C'est bien d'aller... Si on voulait continuer ce personnage, il fallait qu'on se fasse toujours plaisir. Si on voulait se faire plaisir, il fallait que... Déjà qu'il ait une histoire d'amour satisfaisante, parce que cette histoire avec Rita n'allait nulle part. Et... Je sais pas, moi... À un moment, au début, on se disait, le jardin, c'est le monde, on n'a pas besoin d'en sortir, il y a tout. Il y a les méchants, il y a les gentils, il y a les saisons, il n'y a pas besoin d'en sortir, et puis au bout d'un moment, si, quand même. Merci. Toujours à propos de Pomelo, mais plus dans Pomelo et la grande aventure, on se questionne plus sur l'enchaînement du paysage, c'est vrai qu'on passe d'un Far West à une forêt enneigée, à la mer, etc. Et donc, c'était plus pour savoir s'il y avait un rapport entre l'état intérieur de Pomelo, est-ce que c'est des paysages qui sont symboliques? Oui, certainement. Après, nous, on s'est dit, on a pris... est-ce que je peux les avoir, les deux, ou pas? Pomelo grandit et la grande aventure. Il est là, je le vois sous la chaise, là. Donc, on avait Pomelo grandit dans la chronologie. Et après, on a eu la grande aventure qu'on voulait comme un road movie. Donc, faire en format cinémascope. C'est pas grave, il y a ce que là qui peut faire. Oui, c'est pas grave. Et déjà, pour une question d'argent, il est un centimètre plus petit. C'est pas ça.
Nous, on voulait que ce soit le même format, mais basculé. Et en fait, l'éditeur a fait des devis, et pour faire un format à l'italienne, aussi large, ça aurait coûté genre 7 euros plus cher de l'avoir de la même taille exactement. Donc pour un centimètre, on est arrivé à 12 euros. Et lâchement, on a laissé tomber. Mais après, on s'est souvenu de tout ce que c'était un road movie. Et donc on s'est souvenu de Thelma et Louise, de plein de films qu'on a, et de livres qu'on avait lus. Et on a essayé de tout mettre, toutes les choses du road movie, où c'est bien sûr pas du tout ce que t'attends qui t'arrive. Tu vas partir et puis tu t'arrêtes à la première station service, et puis ta voiture est cassée, et puis tu rencontres un mec qui t'arnaque, et puis tu n'as plus de sac. Et puis en tant que lecteur, tu te dis « Ah ben merde, l'histoire vient juste de commencer ». Et en fait, c'est là que ça devient intéressant. Et après, on a dit, mais qu'est-ce qu'il va rencontrer? Il faut qu'il rencontre une figure paternelle. Et qu'est-ce que c'est une figure paternelle? On s'est dit, bah, c'est quelqu'un avec des lunettes qui fait cuire des saucisses. Et on a mis ça. Et puis après, je ne sais plus comment la neige est arrivée. Mais en effet, quand il est triste, désespéré, il fallait qu'il pleuve. Quoi. C'était le moment où... c'est en général, dans les films, il ne manquerait plus qu'il pleuve. Et puis, paf, un éclair, il commence à pleuvoir. C'était vraiment ça. Ouais. Et... qu'il soit dans la tempête, eh ben c'était une tempête en lui aussi, et après c'est calme, et c'est parce qu'il s'apaise, et que, évidemment, on essaye de parler de ce qui se passe, des changements de dedans, de dehors, et qu'il y ait des rapports, et de... Oui. Et mais moi, je me suis aussi beaucoup demandé si vous étiez inspiré, par exemple, de voyages que vous auriez fait, parce que moi, ça me faisait beaucoup penser à la Californie. Ah oui. Justement, enfin, précisément ce moment-là. Donc, et puis en plus, il y a les chaussures de randonnée, etc. Donc je me demandais si vous aviez, par hasard, été faire de la randonnée. En Californie, ben non. Non, non, mais c'est vraiment cinématographiquement. Le road movie, c'est la Californie, c'est l'Amérique, c'est la route tout droit jusqu'à l'infini. Mais avec la voiture qui plante dans les 10 premiers mètres. Mais non, non, c'est on se nourrit beaucoup de films et de livres et de... pas forcément pour adultes, hein, quoi, ou enfants, enfin tout. Et on a essayé de tout faire rentrer là-dedans. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, moi, j'en ai... Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir dessinateur? Moi je dessine depuis que je suis tout petit, à l'école, et j'étais pas plus fort en maths, j'étais pas plus fort en français, j'étais pas du tout plus fort en sport, et j'étais plus fort en dessin. Peut-être parce que j'aimais ça, mais en tout cas, de fait, d'aimer ça, j'étais devenu plus fort, et d'être plus fort, j'aimais ça. Et du coup, j'ai jamais arrêté de dessiner, et quand j'étais petit à l'école, personne n'écoutait mes histoires. Et du coup, maintenant, je me venge. En racontant des histoires avec des dessins. Et comme j'ai grandi à la montagne, tout seul dans un petit village, je me suis beaucoup ennuyé. Et j'ai eu beaucoup de temps pour dessiner. Et comme il n'y avait pas beaucoup de monde qui dessinait autour de moi, j'avais vraiment la prétention de penser que je faisais partie des meilleurs dessinateurs du monde et que j'avais ma place dans le monde de l'édition. Et je pense que si j'avais grandi dans une grande ville avec autant de monde, ça m'aurait peut-être complètement écrasé de dire qu'il va falloir que je sois plus intéressant que tout ça, j'y arriverai jamais. Il y aura toujours quelqu'un qui dessinera un peu mieux, qui fera des trucs un peu plus mieux dessinés. Mais là, de tout seul à m'ennuyer, je pensais que j'avais ma place. Alors, moi, je voulais vous demander, j'ai vu, en fait, vous êtes traduit dans beaucoup de pays, ouais. Apparemment, dont aux États-Unis, ou bien c'est l'inverse. Il y a les deux. Oui, c'est ça. Il y a les deux. Et je me demandais si le contenu du récit était transformé. Mm-hmm. Bien sûr. Bien sûr. Et voilà. Et en dire plus. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, j'ai des livres qui sont directement édités avec un éditeur américain, c'est ça. Et j'ai pas fait mes devoirs à l'école parce que. Et tout ça. C'est très drôle, hein, le conseil. Et du coup, je travaille directement avec l'éditeur américain et j'ai des corrections complètement folles où j'ai l'impression d'être un punk. Et ça me fait bien plaisir. Mais.
Il y avait, dans le premier livre, c'était « J'ai pas fait mes devoirs parce qu'on a été attaqué par les Indiens ». Et l'éditeur a dit « Oh là, les Indiens, ils attaquent pas, les Indiens sont nos amis, on peut pas faire un truc comme ça. » On va pas se fâcher avec les natives américaines, donc l'auteur a dit « Oh, c'est pas grave, on va mettre « J'étais attaqué par les Vikings ». Et les Vikings, c'est bien connu, ils attaquent tout le monde, il n'y a pas de problème, les Suédois, on peut y aller. » Et donc, on a fait « J'étais attaqué par les Vikings », moi ça me gêne pas, hein. J'ai remplacé les flèches par des haches. Et c'était fait, quoi. J'ai pas non plus de... j'ai pas insisté en disant « Non, c'est important que ce soit les Indiens ». Et il y avait un truc qui se passait au cirque, j'avais dessiné des acrobates, il y avait le croquis là. Et elles étaient en maillot de bain, mais ils m'ont dit « Ça serait bien qu'elles aient des robes un peu amples ». C'est moins pratique sur un trapèze, mais je suis pas con. Ouais, il y avait des tatous qui faisaient la fête, ils ouvraient une bouteille de champagne, et pas d'alcool, même si c'était des animaux. L'enterrement du chat, il fallait pas que je fasse la croix. Là, dans celui-là, il y a un moment, ils sont dans le musée, et ils passent sous une baleine empaillée, et le petit garçon, il nettoie la baleine, il y a des gouttes d'eau qui tombent, il y a la classe qui passe en dessous. Et donc, pour faire la classe, il fallait que je dessine quand même dans la classe, il fallait qu'il y ait des garçons, des filles, il fallait qu'il y ait des noirs, il fallait qu'il y ait des hispaniques, il fallait qu'il y ait des asiatiques, il fallait qu'il y ait des gros, qu'il y ait des minces, tout ça. Et la goutte d'eau qui tombait de la baleine tombait sur la tête de la petite fille noire. Et donc, mon éditrice m'a téléphoné en disant « Oui, je suis désolé, c'est un peu bizarre, mais il faut que je te demande quelque chose. Ça serait mieux si la goutte d'eau ne tombait pas sur un noir. » Et puis même, tant qu'à faire, un petit garçon, donc un petit garçon blanc c'est parfait pour la goutte d'eau, mais une petite fille noire, non. Donc moi j'ai décalé la goutte d'eau d'un enfant, et voilà comment j'ai... Donc on a des corrections comme ça, qui me font marrer, et où je me dis que c'est quand même des gens pas comme nous, les Américains, parce qu'ils font hyper gaffe à ne vexer vraiment personne. Et pour Adieu Chaussettes, ça, je l'ai fait en France, il a été traduit en américain, et c'est l'éditrice avec qui je travaille qui s'est occupée des traductions. Et elle est super chouette, elle a fait des études littéraires, elle m'écrit des mails de plusieurs pages en anglais. Et on a parlé de la correction du texte, parce que j'étais l'auteur du texte, et elle avait vraiment très bien compris tous les tenants et les aboutissants de l'histoire de ce petit garçon qui demande son lapin pour plaisir, mais qui culpabilise et qui retourne, tout ça. Et elle avait tellement bien compris qu'elle avait super bien expliqué le livre dans le texte. Elle avait trop dit. Et moi je lui ai dit, mais c'est exactement ça l'histoire, bravo, t'as tout compris. Mais je préfère que tu ne le dises pas, parce que j'ai envie que les enfants le comprennent. Parce que quand on comprend quelque chose, ça te marque plus profondément que quand on te le dit. Quand on te dit « c'est pas bien d'être méchant », tu dis « en effet », et ça ressort par l'autre oreille. Alors que si tu as l'impression de le vivre, moi j'ai l'impression que quand on lit des livres pour vivre par procuration des expériences qu'on ne peut pas avoir dans parce qu'on n'a qu'une vie, voilà quoi. Mais moi je n'aime pas du tout lire des manuels qui m'expliquent les choses. Et du coup là, ça expliquait ça. Ça expliquait trop. Et je lui ai dit non, laisse comprendre, fais confiance aux enfants, ils vont comprendre et ça sera plus profondément ancré en eux parce qu'ils auront ressenti les choses plutôt que les comprendre. Et elle m'a dit, mais tu sais, je suis désolé, les Américains sont bêtes. Non, tant pis. Mais ils vont rester bêtes alors, parce que si on ne leur fait pas confiance, c'est pas comme ça que. Quoi, mais après, c'est elle l'éditrice, moi je lui ai dit ce que je pensais. Et voilà, j'ai pas l'énergie. Bon, voilà. Et alors, un livre montre là sur « Je suis arrivé en retard ». Ouais, c'est la même, oui. Ouais, mais c'est plein de mensonges, ils ont rien dit, les Américains. Ben non, mais non, mais là... C'est le sujet, en fait. Oui, mais non, mais il faut pas que ce soit trop fort, il faut pas que ce soit trop à conséquence, mais c'est comme les films américains, quoi. Il y a un truc de super-héros, il y a toute une ville qui disparaît parce que le super-méchant dans un rayon laser, mais on voit pas un mort. Et là, c'était pareil dans celui-là. J'ai eu le droit de dessiner la pieuvre géante qui brise en deux le bateau des pirates, à la seule condition qu'il n'y ait pas un pirate dans l'eau. Personne ne va mourir, là.
Tu peux le faire, mais il n'y a pas de pirate qui se mouille, quoi. C'est... aseptisé. Ah oui, oui, c'est complètement faux cul, mais... c'est pas mon rôle de sauver l'Amérique, quoi. Moi, je fais des dessins. J'essaie de glisser des trucs rigolos. Mais je ne veux pas aller contre l'éditeur ou le comité de lecture. Ou... Parce que l'éditeur, Après, c'est compliqué. Il dit oui, moi, je comprends bien. Il fait bien rigoler, mais tu sais, les bibliothécaires en Amérique. Et donc, quoi. Je peux pas. Et puis, c'est pas des. J'ai pas envie de tuer des pirates dans mes livres non plus, donc c'est pas grave. Quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut faire. Et à l'inverse, j'allais dire presque, vous évitez aussi. Enfin, vous travaillez aussi avec un éditeur suédois, je crois. J'ai bossé avec un éditeur suédois à un moment, ouais. Et du coup, là, il n'y avait pas ce problème culturel. Non, il n'y a pas de problème culturel, non, mais en plus, c'est des livres pour les tout petits, je ne sais pas si vous avez, mais c'était. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, non, mais là, c'est quand même. Non, c'était sympa comme expérience. Moi, j'ai bien aimé pouvoir aller en Suède travailler là-bas directement avec eux. Normalement, j'aurais dû rester chez moi et enlever mes dessins, mais je leur ai dit que c'était un peu frustrant. Et ils ont dit, mais viens. Donc, j'ai pu passer quelques temps à Stockholm. C'était un moment. Une façon de voyager et de parler avec l'auteur, parce que moi j'avais pas du tout compris l'histoire, mais c'est rigolo parce que c'est l'histoire d'une famille. C'était une auteure suédoise qui avait écrit, et c'est Binta, les enfants s'appellent Binta, Aïcha, Lalo et Babo. Moi j'ai fait tout mes crayonnés, et quand je leur ai montré, ils ont halluciné parce que c'était une famille de Suédois blancs. Et en fait, c'était des Africains, mais ils ne l'avaient pas dit. Et elle me dit, mais enfin, c'est des prénoms africains, Binta, Aïcha. Et moi, je pensais que c'était des prénoms suédois. Parce que l'auteur s'appelle Eva, l'éditrice, c'est Birgitta, donc Binta, pour moi, ça allait, quoi. Et en fait, elle me dit, mais non, c'est une histoire qui se passe en Afrique. Et j'avais déjà fait tous mes crayonnés. Et on a réfléchi, j'ai dit, si le papa est africain et que la maman est suédoise et qu'on a une famille un peu mixte, ça pourrait marcher. Ils m'ont dit, ah, bah oui, c'est encore mieux. Et du coup, on a un papa africain avec une maman suédoise et des enfants. Et c'est mieux, quoi. Moi, j'aurais pas aimé faire un livre qui se passe en Afrique en travaillant en Suède. Moi, j'allais en Suède pour faire un livre suédois. Mais du coup, ce problème de compréhension, ça rajoute des choses. C'est plus intéressant, je trouve, de comment on retombe sur ses pattes finalement en gardant les erreurs, que de faire un truc tout juste dans l'entrée de jeu. Est-ce que, enfin, vous n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions? Ah, il y a deux voix. Du coup, vous racontez plein d'anecdotes par rapport aux auteurs avec qui vous travaillez, et quand vous sortez de l'école, est-ce que vous êtes. Enfin, ça, je ne connais pas du tout l'édition, mais comment on apprend un peu ce monde quand on rentre dans le monde de l'édition avec les contraintes que ça impose? Est-ce que c'est un temps d'adaptation ou... Ouais, c'est super impressionnant. Et puis, quand on sort de l'école, on n'est pas du tout préparé à la vraie vie, en fait. On a une vie d'étudiant, et le monde de dehors est un peu plus dur, en fait, que prévu. Et c'est très impressionnant, au début, d'aller voir les éditeurs, de montrer son dossier. Moi, en même temps, maintenant, c'est différent, parce que ça peut beaucoup se passer sur Internet. Moi, de mon temps, il fallait encore avoir son petit portfolio, aller en personne, chez l'éditeur, réussir à avoir un rendez-vous, montrer les dessins, être un peu mal à l'aise. Et moi, quoi, tout le monde, quand on sort de l'école, on n'est pas fini. Et moi, je suis toujours en train d'apprendre. J'ai pas un style, et puis hop, c'est parti, quoi. Et puis ça évolue, et ça fait 20 ans que j'évolue. Et quand je vois les premiers livres que j'ai faits, je me dis, mon Dieu, mais c'était gentil quand même d'avoir bien voulu éditer ça. Et que pourquoi personne m'a dit que c'était raté. Mais c'est vrai que c'est... Après, avec le recul, c'est un petit monde, c'est sympa. Et j'étais hyper impressionné de faire mon premier livre. Et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Maintenant, je suis un peu blasé. Et je vois qu'il y a quand même plein de livres qui sont pas si terribles sur le marché, que une grosse majorité, en fait. Et que c'est un petit monde gentil. Mais c'est vrai que quand on sort de l'école, on est hyper impressionnable, hyper impressionné, qu'on ne sait pas comment ça marche, et qu'on a tout à apprendre, et c'est en faisant les livres qu'on va apprendre, de toute façon.
Moi, c'est en voyant mes dessins imprimés que j'ai su à quoi ils ressemblaient à l'imprimant. Avant, je n'avais pas d'idée. Puis je me suis rendu compte qu'il y a des trucs qui s'imprimaient bien, des trucs qui s'imprimaient moins bien. Les premiers pomelos, je faisais des joues avec mon crayon de couleur rose. C'était joli sur l'original et c'était dégueulasse imprimé. J'ai arrêté. Il y a des... C'est empirique, hein, quand même, comme expérience. Et c'est vraiment en voyant le résultat que je dis voilà, la prochaine fois, je le ferai passer. C'est pas évident du tout pour moi, c'est toujours un combat, je sais jamais vraiment d'avance. Et c'est vraiment un truc que j'ai l'impression que je suis vachement plus à l'aise au trait en noir et blanc. Mais les brouillons, c'est toujours en noir et blanc. Et la couleur, c'est toujours. Je sais jamais comment je m'en tirer. Donc je travaille beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui me disent que c'est bien, qu'ils aiment bien mes couleurs, alors que moi j'ai toujours l'impression de faire des ratatouilles. Mais déjà, il faut mettre moins de couleurs possible, comme ça c'est harmonieux. Et de décider qu'est-ce qu'on veut montrer, parce que la couleur... En fait, on avait très peu de cours techniques aux arts décoratifs. Mais je me souviens d'un cours quand même où le professeur avait dit qu'en couleur, il y avait trois choses. La couleur, elle peut servir... elle a un aspect naturaliste. C'est-à-dire une pomme est rouge, elle est mûre, un arbre est vert, c'est le printemps, le ciel est bleu, il fait beau. Donc ça, c'est facile. On peut voir, on peut se tenir à ça, tac, tac, tac. De quelle couleur sont les choses, on va le faire. Après, il y a un côté symbolique où l'amour c'est rouge, la tristesse ça va être gris, donc on peut jouer sur des ressentis comme ça, et la couleur ça peut servir à faire passer des choses, un peu comme la musique dans les films où ça met une ambiance. Et c'est important d'avoir une ambiance de livre, de trouver une harmonie colorée, quoi. Et après de mettre les personnages qui ressortent. Parce que la troisième chose que fait la couleur, c'est un effet graphique. C'est-à-dire que dans une foule, si tu veux faire sortir un personnage, tu le fais en rouge et tu fais tous les autres en gris, et tout le monde va le voir. Donc quand on fait un dessin en couleur et qu'on ne sait pas quelle couleur choisir, on peut essayer d'avoir un des trois. Ça peut aider. Et puis moi, après, j'ai décidé arbitrairement que quand je ne savais pas quelle couleur mettre, je mettais du rouge. Mais sinon, c'est infini, on peut toujours changer les couleurs. Après, mais ce qui est important, c'est que les couleurs marchent bien ensemble. Toujours cette histoire d'harmonie, de mise en valeur, de ce qu'on veut dire. Parce que la couleur, c'est pas pour faire joli, ça raconte aussi. Et donc, il faut toujours avoir à l'idée de quoi je parle. Même au moment de la couleur. Et dans la fabrication du livre même, par exemple, les couleurs, il y a un jeu de couleurs, souvent, sur les pages. C'est vraiment, oui, bien sûr. Est-ce que c'est aussi significatif? Ouais, c'est le printemps, là, très vert. Oui. Ça, c'est, voilà. Ah, oui, non, mais voilà, et à chaque fois, c'est bien très rare, en fait, je me doutais bien, mais c'est très rare, je trouve, justement, dans les livres, que même les pages de garde, j'allais dire... Ah, mais c'est un tout, un livre, c'est un univers dans lequel on rentre. Mais c'est pas si fréquent que ça, en fait, que les pages de garde soient déjà... Enfin, en tout cas, c'est pas toujours que les pages de garde annoncent... Si, les pages de garde, c'est quand même par là qu'on rentre, hein. C'est super important. Si on met un truc qui fait pas mal aux yeux d'entrée de jeu, c'est un peu raté, quoi. Particulièrement... Mais il faut tout... Soigner, quoi, voilà. Ouais, non, mais c'est un tout, la taille... Et même le bruit des feuilles, hein, si on veut être complètement psychorigide, c'est important. Ouais. La qualité du papier, nous on est vraiment chiant sur la qualité du papier. Moi j'aime pas le papier brillant, je veux du papier mat. Ça bouffe, quoi, ça boit beaucoup la couleur, mais je suis prêt à perdre de la couleur pour avoir du papier mat, parce que je déteste le papier brillant. C'est des choix, après, hein, quoi. C'est comme tout, si on gagne quelque part, on perd ailleurs. Il n'y a pas le super papier qui marche bien pour tout. Donc il faut accepter de perdre un peu là où tu gagnes ailleurs. Et ça, c'est... est-ce que l'éditeur a son... Oui, c'est l'éditeur. Bien sûr, l'éditeur, il nous laisse le choix entre quelques papiers. On peut Pas tout. Non, mais je veux dire, par exemple, sur les couleurs,
Enfin, mais non, mais ça, dans le meilleur des cas, ça se décide. Mais bien sûr, mais je pense que l'éditeur, ils sont pas, c'est pas des dictateurs, ils sont contents quand on vient avec nos idées, que ça va dans le sens du livre, c'est quand même nous qui sommes les tenants du message, eux ils nous accompagnent. Et donc plus on propose et plus ils sont contents. Bien sûr, non, non, il y a pas... Après il y a les collections aussi, il y a les éditeurs qui disent non, mais cette collection, il y a des gardes blanches, puis voilà. Mais sinon, non, quoi. Ils sont assez ouverts à ce que le livre soit le mieux possible. Peut-être naïf. Au début de votre présentation, vous avez évoqué des ateliers avec les enfants. Ouais. Ça vous plaît ? Oui. Ah, ben, moi, je leur parle de mon métier et de comment le dessin peut raconter des choses et que c'est un langage, en fait, le dessin. Et que c'est pas juste pour faire joli à côté du texte. C'est pas seulement pour imaginer l'histoire, ça fait partie de l'histoire et que le texte, c'est une partie de l'histoire, mais le dessin c'est une partie aussi importante, et c'est quand le texte rencontre l'image dans le cerveau du lecteur que l'histoire se crée en fait, et que le dessin c'est comme une écriture, ça raconte, et que il faut pas, moi je fais pas des beaux dessins, j'ai pas envie qu'on me dise tes dessins sont jolis, c'est comme si là à la fin de l'heure vous me dites vous avez une belle voix, ça me fera plaisir, mais je me dirais ils ont pas compris grand chose de ce que j'ai raconté. Et le dessin, c'est pareil, c'est pas là pour être joli, et c'est ça que j'essaye de faire comprendre aux enfants, c'est qu'avec le dessin, on raconte des choses, et qu'on parle peut-être plus aux sentiments, aux sensations, et qu'on parle... C'était un moyen, comme la musique, hein, qui passe un peu par en dessous, pour atteindre directement le sentiment, sans passer par l'intelligence. Et qu'il faut apprendre à lire les images. Et qu'à l'école, on n'apprend pas à lire les images, ça c'est considéré comme quelque chose qui va de soi, alors qu'on apprend à lire. Mais que la lecture d'images n'est pas enseignée nulle part, ou alors dans les écoles d'art, et c'est tout, quoi. Alors qu'on est quand même une société de l'image, il y a des publicités partout, on a beaucoup d'images tout le temps, et que, en fait, personne ne nous a appris à les lire. Et qu'on le voit même dans les... dans la presse, quand il y a des critiques sur les livres jeunesse, en général, les journalistes, ils ont des formations littéraires. Dans la critique d'un livre jeunesse, c'est un gros pavé de texte sur le texte, sur les mots nouveaux, sur le vocabulaire, sur des choses très, très bien vues. Et ça finit par une petite phrase lapidaire, accompagnée par les dessins en couleurs vives et naïfs de machin truc, et puis voilà quoi. Et tu dis, mais c'est pas naïf, quoi. Et puis c'est pas des couleurs vives non plus, ou les couleurs pastel, quoi. Mais bon, il y a une telle méconnaissance du dessin que bah, ça va être juste un truc qui accompagne avec les couleurs, quoi. Et puis j'aime bien rencontrer mes lecteurs aussi, parce que je vois un peu ce qu'ils comprennent de mes dessins. C'est un peu le moment où je peux les voir, parce que sinon moi je suis tout seul dans mon atelier et je sais pas ce qu'ils comprennent ou pas. C'est chouette, quoi. Moi j'aime bien les faire dessiner, ils n'ont aucune limite, enfin, ils n'ont aucune inhibition, les petits en tout cas. Hein. Ils prennent du plaisir, ils sont persuadés que ça ressemble à un éléphant. Il n'y a pas de problème. Et moi je me souviens que j'étais exactement comme ça aussi. Moi je me souviens avoir fait un dessin que je pensais hyper ressemblant d'un cheval. Et que je l'avais même mis dans une petite boîte à trésors pour le ressortir des années plus tard. Et quand je l'ai ressorti des années plus tard, ben, c'était une patate en fait. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être que je ne suis pas la meilleure personne pour regarder mon travail, parce que moi j'ai mon filtre, en fait, j'ai l'image mentale du truc qui vient parasiter mon dessin. Et j'ai l'impression que ça ressemble vraiment à un cheval, quand je suis un cheval encore maintenant. Et peut-être que pas, en fait. Mais moi je suis plus capable de me détacher de ça, en fait. C'est difficile d'être juge de son travail. C'est un peu comme dans une photo de classe, hein, moi je me suis toujours demandé pourquoi j'étais plus moche sur les photos de groupe. Et jusqu'au moment où je me suis dit, mais peut-être que tout le monde pense qu'il est le plus moche sur les photos de groupe et qu'on n'est pas la meilleure personne pour juger de son image. Et c'est pareil pour les dessins, je pense. Il faut un moment lâcher prise et tant pis. C'est pas le plus important d'être beau ou admiré pour une perfection ou un truc comme ça. On est là pour raconter les choses. Et avec nos défauts,
Et le style, je pense que c'est beaucoup accepter ses limites. On n'est pas Léonard de Vinci, on n'est pas Michel-Ange, mais il faut réussir à s'exprimer quand même avec nos défauts, nos limites. Et c'est ça qui fait le style, en fait. Le style, c'est pas quelque chose qui se choisit. On ne se dit pas d'un coup, tiens, je vais être hyper-réaliste, ou tiens, je vais être naïf, ou... C'est parce qu'on ne peut pas faire autrement, en fait. Et c'est ce qu'on accepte de nous, et de ce qu'on va montrer aux autres, et de comment on va réussir avec ça à exprimer ce qu'on essaye d'exprimer. Peut-être que je me suis perdu tout seul dans mon truc, mais... Voilà, j'explique ça aux enfants. Et puis quand ils commencent à pleurer, je m'en vais. Non, mais je les fais dessiner, je leur fais des petits exercices. Ce que j'aime bien faire, c'est leur faire des choses où ils ne savent pas d'avance ce que j'attends d'eux. Parce que, comme tout le monde, ils essaient d'être des bons petits élèves, et donc de me donner ce qu'ils imaginent que j'attends. Et donc j'avance un peu masqué, je leur fais faire une partie, et puis après ça, je complique le dessin, puis je rajoute un truc, et puis après il faut rajouter un texte pour voir ce que ça va faire. Et on expérimente ensemble, mais ils ne savent pas d'entrée de jeu ce que ça va être. Je suis toujours assez surpris et content de leur adaptabilité. Ils sont contents de faire, en fait. Quand je leur propose, il y en a peu qui se bloquent en pleurnichant en disant « moi, je ne sais pas dessiner ». Ça peut durer deux secondes, ça, mais ça se dépasse. Et puis après, ils sont tous dans leur plaisir. Ils sont vraiment... Les enfants, ils rentrent dans le dessin. Et je pense que les illustrateurs aussi. On arrive à être dedans quand on dessine. On n'est pas dehors en train de regarder si c'est beau ou pas, on est dans la forêt. Et les enfants, ils sont immergés dans leur dessin quand ils dessinent. Ils sont des personnages. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que monsieur Benjamin Chaud, je crois que vous devez partir un peu plus tôt que prévu. Ça va, là? Dans 5 minutes, oui. Ça va, parfait. Encore une dernière question. Il y a d'autres questions? Non? Alors, je ne sais pas, en fait, peut-être que tout le monde n'avait pas déjà lu des albums de Benjamin Chaud, je ne sais pas. Il y en a qui ont découvert, vraiment, quelques personnes qui ont découvert. Voilà, alors, moi, avant, on n'en a pas lu vraiment, parfois ça m'arrive de les lire dans les romans complètement pour tout le monde, là. Bon, je ne l'ai pas fait, parce que Benjamin voulait présenter ça. Son PowerPoint avant, donc voilà. Et j'avais fait, en revanche, je vais mettre debout parce que vraiment, quand j'ai regardé, relu, j'avais pas tout lu, hein, soyons honnêtes, mais quand j'ai essayé là de tout relire, ce qu'on avait à la BU, tous les albums de Benjamin Chaud, spontanément, j'ai fait un petit inventaire de tous les mots qui m'apparaissait, qui me tombait comme ça, qui m'apparaissait être vraiment au centre de votre univers. Donc vous me direz si vous validez ou pas. Mais voilà, donc j'ai noté humour, tendresse, amour. C'est vrai qu'il y a de l'amour partout, ouais. Il me semble. C'est vraiment un sujet central. D'accord. Je ne sais pas. Oui, oui. C'est peut-être pas volontaire. Ben, si, ça fait plutôt un sentiment positif, mon nom. Oui. Philosophie, donc des questions existentielles, particulièrement chez... Ça, c'est Ramona, oui. Comment? Ça, c'est plus Ramona. Oui, voilà, c'est ce que je me suis dit aussi, mais aussi dans Petit Ours, quand même. Ouais, d'accord. Enfin, oui, non, mais j'essaie de réfléchir de temps en temps. Il faut. L'amitié, bien sûr, et puis aussi... c'est pas un concept, on va dire, mais l'importance du vert, du jardin, mine de rien, je sais pas si... ça m'a frappé. D'accord. Alors, ouais. Évidemment, dans le sujet, ouais. De Pomelo, mais pas que. Il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de... Ouais, moi j'ai besoin de la nature pour me ressourcer. Quand j'habite à la campagne, j'ai grandi à la montagne, c'est un élément important, ouais. Voilà, c'est pas... Je suis pas du tout citadin. Ben, c'est pas non plus un défaut, hein. Mais ça, c'est des choses qui m'ont marqué en lisant grandir, l'innocence, alors j'ai remis la tendresse décidément, la beauté du monde, et puis aussi le jeu avec, alors c'est pareil, vous allez me dire, c'est l'éditeur, c'est pas vous, mais quand même, vous l'avez fait ensemble, justement, c'est l'objet libre, enfin c'est quand même...
ce petit éléphant qui se met à grandir en même temps enfin, que le personnage s'empare de l'objet pour créer encore plus son... Et dans Pomelo, il a peur d'être écrasé quand on ferme le livre, il se sent observé, il ne sait pas d'où, donc il a conscience d'être un personnage. Bien sûr, mais pas tout le temps. Mais ça nous fait rire de mettre cette espèce de distance comme ça où c'est un personnage. Voilà, c'est un personnage. On l'accepte. De toute façon, et à partir du moment où c'est un petit éléphant rose avec une grande trompe, on part sur un postulat de confiance, de là, c'est une histoire, c'est imaginaire. Et les enfants sont d'accord, de toute façon, ils vont pas dire, non, mais si c'est pas vrai, c'est pas possible, moi je dis pas. Et on est sur du, c'est un personnage. C'est un personnage. Ça n'existe pas. Puis, mais on va dire que si. Oui, mais c'est un personnage, et puis tout à coup, on arrive dans un petit côté où vous voyez comment, comment c'est pas une entourloupe, mais c'est une fiction, et voilà. Ouais. Je trouve que c'est pas très, enfin vous me corrigerez aussi, je trouve que c'est assez rare en fait dans les albums pour les plus jeunes, en tous les cas. Nous, ça nous amuse de le faire, enfin, c'est vraiment c'est un truc, on est sur du. C'est ce qui nous fait marrer, hein, vraiment. C'est très intéressant, puis ça en rajoute vraiment dans l'intérêt du récit. Alors, les couleurs, ben, vous en parliez, c'est vrai, la couleur, j'ai noté la couleur des émotions, hein, parce que c'est souvent ça, vos couleurs. Ça peut m'aider, moi ça m'aide, oui. Les jeux de l'enfance, les conflits, l'autonomie, la tristesse. Et puis, la musique aussi, à une part, quand même, importante. Oui, peut-être. C'est la joie, oui. Ouais, voilà. Je travaille en musique, en tout cas. Mais tout ce que je dis, c'est pas des défauts. Hein. Non, mais j'entends bien. Non, mais j'essaie de réfléchir parce que je suis pas du tout fort en musique, mais j'aime bien écouter de la musique quand je travaille. Ouais, mais il y a souvent, des petits. Ouais, j'essaie de faire des dessins dansants, en tout cas de pas faire des trucs trop figés. Exactement. J'essaie que ça bouge, d'avoir vivant plus que dansant, mais dansant c'est vivant. Je sais plus dans le thème. D'ailleurs, je me demande si c'est pas quand j'étais en retard à l'école, je sais plus. Ouais, je ne sais pas si c'est dans celui-ci, où il y a une espèce, alors encore un espèce de film, où on a vraiment, je ne sais pas, je préfère que celui-ci, où on a l'impression qu'il y a une chorégraphie, quand je la retrouve, je vais peut-être partir, c'est dommage, je la retrouverai. Et voilà, tout ce côté un peu musique, danse, alors que ce n'était pas le sujet du livre en question. Et puis d'ailleurs, le voyage aussi, notamment dans Pomelo, mais pas que, le calme, une impression de calme et de contemplation. Il y a beaucoup de passages aussi qui sont très poétiques. Alors vous allez me dire que c'est pas vous, c'est... Non, c'est vraiment... C'est vraiment un moment où elle parle des jours amusants. Et, c'est, je trouve, par rapport aux jours tristes, quoi. Et je trouve que je trouve ça très beau. Oui, mais il y a un moment pour être triste, un moment pour être heureux. Mais Ramona, elle est pour tout expérimenter et parler de tout, parce que les enfants, ils expérimentent toutes ces émotions. Et il faut leur parler de ça, de la méchanceté, de leur méchanceté, de l'égoïsme, comme de la joie, comme de toutes ces choses-là. Il faut parler de toutes les émotions. Et ça fait partie de la vie. Et des fois, notre éditeur nous dit, mais c'est quand même plus rigolo quand vous êtes drôle. Mais on dit, mais dans la vie, on n'est pas drôle tout le temps. Quoi. Il faut parler aux enfants aussi des moments où on est triste, des moments où on est méchant, des moments où on est en colère, des moments où on est égoïste. Et tout ça, ça permet d'avoir des meilleurs moments joyeux, d'accepter ça. On est tout ça. Voilà, si vous avez d'autres remarques, d'autres... On a fait le tour. Bon, sûrement pas, mais bon, je ne voudrais pas que... Je serai de mon train. Vous en vouliez à mort parce que votre train est parti. Eh bien, merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir fait le déplacement. La ville, hein. Jusqu'à la ville. Et puis voilà, j'espère que pour les personnes qui connaissent très peu l'œuvre de Benjamin, et puis pour celles qui la connaissent, ceux et celles qui la connaissent déjà, vous pouvez vous y c'est toujours un véritable plaisir et vraiment je vous remercie. Merci.